Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne du Caustic Comedy Club. Nous sommes le 27 février 2021 et cela fait bientôt un an que les équipes du Caustic se mènent d'arrache-pied pour vous proposer des contenus par les biais de cette chaîne. Entre interviews, jeux, workshops et autres divertissements interactifs, ce n'est pas moins de 35 lives qui vous ont été proposés. Alors ce soir, place à la nostalgie, puisque nous allons non seulement revisiter les meilleurs moments des 12 derniers mois en live, mais aussi passer en revue quelques moments clés de la carrière de 4 humoristes ô combien talentueux et qu'il me tarde de recevoir sur ce plateau. Donc s'il vous plaît, depuis chez vous, un maximum de bruit pour nos invités de ce soir. J'ai nommé Charles Nouveau, Yoann Provenzano et Blaise Berzinger. Volontiers. Zac Efron. Et voilà, vous aurez compris, c'est sur le ton de l'humour que nous allons commencer cette émission. Et j'aimerais aussi faire un immense big up à deux invités supplémentaires qui sont là, mais à distance. Ouais, ils n'ont pas le droit d'être là, en fait. Ils n'ont pas le droit d'être là. Il y en a un qui n'a pas le droit. Il y en a un qui n'a pas le droit. Ouais. Ah ouais. Et l'autre, c'est vraiment parce qui ne veut pas avoir le droit. Qui n'ont pas particulièrement envie de le voir. Ah ouais. Faudra deviner de qui et qui donc s'agit-il. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous sur la chaîne YouTube et sur les commentaires, puisque ils sont dans les commentaires. Ils sont là. Ils sont là. Un immense shout-out et un big up à Alexandre Kovinec et à Thomas Wiesel qui sont avec nous dans ce live sur le chat. Avant de procéder avec cette soirée qui va s'annoncer fort délirante, hein. Ah bah oui, tout à fait. C'est de vous rappeler aussi que si on est là aujourd'hui, c'est pour célébrer cet événement, de tant de live qu'on a fait ensemble. Ah, je croyais que t'annonçais que t'étais papa. T'étais papa, ouais. Ah non, ça c'est Kevin Ayer qu'on salue et qui présente l'émission Exit une fois par semaine. Ah, je savais pas. Il est et il nous a annoncé ça. On est désolé, Kevin. Courage, mais tu sais comment il l'a annoncé? T'étais là? Non, mais tu me l'as raconté. Sur scène. Il a annoncé à ses potes en faisant un passage. Trop bien. Mais nous, devant des gens qui connaissent pas à la base, tu vois, nous, t'es pas au courant. C'est drôle, c'est drôle. C'est drôle. Très très drôle. Un immense big up à lui et à sa chérie, et on souhaite que du bonheur pour son enfant. Ah oui, bien sûr, bien sûr. En plus, ils vont cacher le sexe de l'enfant, donc on va apprendre jusqu'à la fin. Bon, non, voilà, mais courant avril. Mais tu sais, on met des slips, on le fait aussi. Ouais, c'est ça. C'est jusqu'à la fin, ils cachent le sexe de l'enfant. Exactement. Il y a des cultures où ça ne se fait pas. On embrasse les papous qui nous regardent. Un maximum de bruit pour les papous. Pa-pa-pa-pou-pou. J'aurais pu continuer. Tu sais, moi, je me suis lancé dans la vibe et ça arrête. En fait, je crois que c'était pas la bonne émission. On peut pas faire ça. Mama sai sai. Mama sai sai. Vous l'aurez compris, on est là pour s'amuser ce soir. On célèbre cet événement. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais depuis quelques semaines, les filles du Caustic mènent un combat de ouf. Il y a un Kickstarter qui a été lancé pour financer en fait toutes les activités qu'on propose à travers la chaîne YouTube. Et à un moment donné, il va bien falloir que je la boucle. Donc je pense que juste vous balancer une vidéo, c'est beaucoup plus simple. Donc les filles, n'hésitez pas, vous pouvez balancer la vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, que j'ai pas tenu le micro, c'est un plaisir. C'est peut-être la naissance d'une vanne. Vous avez 5 jours pour écrire un sketch avec un thème qui a été donné par le public. Vous assistez à quelque chose d'inédit. C'est bien, parce que je viens de la trouver, je suis vraiment contente. Ouais. En cette période étrange où l'on sépare les choses entre les essentiels et les non-essentiels, je crois qu'il est important de s'arrêter sur cet intérêt que nous partageons, le rire. C'est mieux avec toi. Autrement, c'est rien que du gâchis. Est-ce que c'est la vanne impossible ou est-ce que tu peux en trouver une? Alors bah ouais, parce que tu peux faire le canton de Vaud, c'est comme la carrière de Weshden. Dans les deux cas, c'est rigolo quand il parle français. Tu pourrais faire Next. Dans quel pays Christina Yang part-elle définitivement? En Suisse, à Zurich. Exact. Et à un moment donné, j'arrive vers lui et là, il a jamais vu une machine agricole dans un état pareil. Et nous œuvrons chaque semaine sans relâche pour essayer justement de régler des histoires de RHT, de les cadres de subventions, de faire comprendre que nos situations sont très compliquées et nous nous battons pour les artistes et pour tous les producteurs, productrices. On a beaucoup de blagues là. Ce que Benjamin va faire dans une semaine, Julia va le faire maintenant. Il y avait des moments, je regardais les croquettes de mon chat en me disant « Je me ferais pas un petit cheat meal là avec du... » Du Purina, bœuf sans céréales. J'aime ces soirées, d'une part parce que ça nous pousse à écrire, d'autre part parce que ça nous met un peu en danger, je trouve ça cool, et d'autre part, bah on passe une soirée cool. Ainsi périr les ennemis de la République. Mais ça arrive, ça arrive, c'est ça. Mort aux ennemis de la République, qu'ils meurent tous.
tous mourir. La nuit que je dors pas, la troisième nuit. La troisième nuit que je pense à toi, la troisième nuit. Et insomnie comme à chaque fois. Et insomnie comme à chaque fois que je pense à toi. On peut applaudir quand même tous ces artistes qui ont mené ces lives pendant presque un an. N'hésitez pas, mesdames et messieurs. Et sur le lien du site du Caustic Comedy Club, vous pourrez retrouver le Kickstarter. Et pour être tout à fait honnête avec vous, à la base, cette émission, c'était pour nous aider à collecter encore plus de fonds. Oui. Hein, et finalement, on ne veut plus d'argent. Arrêtez. Stop, pour atteindre tout. Les 5900 francs nécessaires pour pouvoir soumettre le dossier de transformation à l'État de Genève pour soutenir en fait toutes les activités autour du Caustic. Et c'est avec un immense plaisir que je vais cliquer sur la page pour la rafraîchir. Et vous dire que nous sommes actuellement à une somme de 7862 francs, mesdames et messieurs. Merci, cœur à cœur. Franchement, si ça, c'est pas la classe. Merci, cœur à cœur. Avant, c'était couleur 3. Toutes les équipes techniques. C'est la soirée du pitch ce soir. Donc, non, un immense merci à toutes et à tous ceux qui soutiennent le Caustic via le Kickstarter, ceux qui sont parmi nous chaque semaine pour les émissions. Et nous, on va continuer à faire des boutades là en live et rien ne vous empêche de continuer en fait à mettre de l'argent. C'est que du bonus, c'est que du bonheur. C'est que du bonus, c'est que du bonheur. On ne sait absolument pas si la demande de participation va être acceptée. On ne sait pas. Du coup, vous faites potentiellement tout ça pour rien arrêter. Pour pouvoir. C'est stupide. Moi, j'ai rien donné. Je suis pas tombé dans le panneau. Je suis venu qu'une fois, c'était bon. Je me suis pas. Soyez pas cons. Ouvrez les yeux. Blaise, tout ça, l'argent, c'est pas... surtout en ce moment, c'est la crise. On a tous besoin de notre argent. On a tous des priorités comme manger. Donc vraiment, non parce qu'ils vont se sentir mal là à cause de vous, les gens. Ils sont obligés, oui. Franchement, enfin bon. Non, mais Blaise, faut pas t'énerver. C'était pour rigoler. You got a friend in me. You got a friend in me. Thank you for 7700 balles. Keep donating for the Caustic Club. Donc voilà, encore une fois, bienvenue à TheVoice.ch. nous sommes. Non, mais en plus, Blaise, moi j'aimerais quand même mentionner qu'il y a la collecte de fonds, mais il y a l'essence aussi au retour. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai, ça m'a coûté en plus. Ça m'a coûté de ouf. Alors raconte, qu'est-ce qui s'est passé avant de commencer cette émission? Ah ouais. Non, mais les gars. C'est une histoire exceptionnelle. Mais asseyez-toi. Attends, franchement, si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous. Non, c'est juste malade. Alors, ouais. 1965. Ça. Dakota du Sud. C'est pas la bonne histoire. Non, c'est pas ça. Alors aujourd'hui, il y a un groupe WhatsApp là pour l'émission de ce soir. Oui, ça c'est dans la dans lequel histoire. Johan écrit genre oui. Il n'y a aucun train entre Nyon et Genève, il n'y a ni à moi je suis. Il écrit vraiment comme ça. Je suis tombé de ma chaise. Je suis tombé de ma chaise. Ouais, il est tombé. C'est pour ça, asseyez-vous là. Je suis tombé. J'ai un nouveau coccyx. Ouais. Et alors, je dis, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Et Johan, il dit, attends, moi je suis à Lausanne, est-ce qu'on prend un Uber? Il regarde le tarif du Uber. Combien ça m'a coûté? 4528 balles. Mais j'étais là, mais comment on va faire? On pourrait pas faire. Non. Et on va quand même pas dépenser toutes les thunes du Kickstarter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Moi je dis à Johan, hey, prends tes piolets, on y va en Nordic Walking. Et là je le regarde, mais stupéfait, puis je fais du Nordic Walk là. Et puis là, mais je walk même pas tout droit. Et puis là, tel un lapin sorti du chapeau. Du coup, on est venu avec ma voiture. Ouais. Et puis, c'est Donna Sienne qui m'a conduit parce qu'elle avait rien d'autre à foutre et je l'en remercie. Bravo Donna. On peut remercier Donna, c'est grâce à elle. Hein. Ils sont là ce soir. Ils ont fait le déplacement et je vais vous dire à quel point c'était important pour être parmi nous ce soir. Ouais. On a pu voir dans la bande-annonce, il y a eu un peu un récapitulatif de tous les lives. Et vous trois, messieurs, vous avez eu la chance d'avoir un interview de plus d'une heure. Voilà. Oui, c'est vrai. Parce qu'on oublie de le dire, mais tous les lives ne se valent pas. C'est important de le souligner. C'est aussi pour ça qu'on est là. Oui, pour comparer. Ce soir. Donc oui, effectivement. Vous avez ressenti comment cet événement? Le live. De se dire en gros, parce que c'est une de la première fois qu'on a un média à Genève où vraiment on est très axé stand-up et puis il y a une palette de temps beaucoup plus large pour pouvoir discuter avec les artistes. Et là, vous aviez une heure où tu te dis, il y a un mec en face de moi,
il va passer une heure sur ma tronche. Mais oui, c'est ça qui était cool, c'est qu'en plus il avait bossé sur ma tronche. Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est que Thibaut s'est vraiment fait chier. Oui. ou alors peut-être que dans son quotidien déjà de base, il nous stalke un petit peu. Ah ouais. Et en fait, il a juste fait que de compiler les informations qu'il avait déjà. mais c'était très exhaustif comme travail. Ouais, il s'est fait chier à aller faire un portrait de moi avec un cheval, juste pour coller au titre de mon spectacle qui est peinture sur chevaux. Et puis en plus, il a peur des chevaux. Il a peur des chevaux, ouais. Donc, il a vraiment fait un effort monumental. Ah, mon Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas sur la chaîne YouTube, vous pouvez redécouvrir les interviews, les foules de Blaise Berzinger, Johan Provenzano et Charles Nouveau. Et au passage, on fait un immense, immense big up à Thibaut Agoston, qui a préparé ses lives pendant plus d'une heure et qu'on va sûrement rejoindre de toute façon. Bon, bien sûr, on va aller lui rendre la monnaie de sa pièce. Hein. Légalement. En plus, légalement, Blaise, tu disais pendant l'interview avec Thibaut Agoston que ça me fait plaisir de venir à YouTube. J'ai dit ça, moi. Ça te dit quelque chose. Ouais. J'ai dit ça. Ouais, ouais. Je vais pas remettre les images. Mais tu sais, des fois, t'as des fulgurances comme ça. Ça vient tout de suite. Paf. Et on sent que c'est pas préparé, quoi. Ouais. J'ai dit venir à YouTube. À YouTube, ouais. À Internet. Comme parce jamais, qu'en fait, parce que la blague, c'est qu'en fait, ici, c'est... Ouais, c'était une blague, t'as raison, c'était une blague. J'ai fait une blague. Oui. Ouais, j'ai fait une blague. J'ai pas eu une vraie phrase de boomer sans faire exprès. Si, hein. Tu fais des images. Là, t'es vraiment en parano de t'as cru que t'as fait une phrase de boomer comme ça. Mais j'ai vrai, mais c'est ça qui me dit non. Mais non, c'est trop pas. T'as fait une blague à la con comme t'en fais tout le temps. Bah oui. Ah. Oh, il est. Moi, j'ai badé. J'ai cru que j'avais lâché une espèce de grosse phrase de vieux. Non. Parce que ça m'arrive, tu vois. Là, je faisais la référence. Quand on parle des étrangers, là, j'y vais, non, tu vois. Non, c'est pas le. Ouais. Ah, ok. Non, je peux. Je faisais la référence parce que c'est un lieu qu'on connaît très bien tous, là, YouTube Comedy Club. Et là, on est dans le public, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une config inédite et que je salue, je trouve très agréable. Ouais, t'aimes bien ? Ouais. Franchement, ouais, je trouve ça très très cool aussi. Moi, je trouve et que là où je suis maintenant, c'est souvent là qu'il y a une personne qui parle. J'ai l'impression de toutes les fois où j'ai joué, j'ai l'impression que là, il y a toujours quelqu'un qui a envie de parler un petit peu, là. Ici. Non ? À son voisin, tu dis... Ouais. Ou qui répond à tes questions rhétoriques. Ouais. Pas c'est si un peu ambiance la vous le... connaissez un peu Paris. Ah là, je suis déjà allé deux fois. Champ de Mars, il était plein, je me souviens. J'ai acheté une petite tour Eiffel. C'est vrai que en fait c'est horrible, les mecs, on a pas joué depuis 8000 ans, on a trop envie de faire ça et puis tout on ce que sur les gens. Ouais, on et tout ce que je suis en train de faire c'est tu sais quand tu joues des fois, il y en a qui sont chiants. Il y en a qui t'écoutent pas. Mais parce qu'on est d'accord que le discours un peu de tous les artistes qui est de dire non mais la scène me manque trop. Oui, ça nous manque, mais c'est un peu surfait, non ? La scène, tu dis ? Moi, ça me manquait beaucoup plus au début. Ouais, moi je suis parce un peu. Parce que moi, je pensais habitué. Qu'il y avait un peu le. Je pense qu'il y a un truc un peu chimique, c'est comme les athlètes professionnels qui se blessent et qui tout d'un coup peuvent plus avoir toutes les endorphines qu'ils ont normalement. Oui, c'est ça. Et donc tu as plus. Bah mine de rien. C'est chelou quoi de moi ça fait 3 mois et demi, 4 mois que personne ne m'a applaudi. Tu fais pas de sport. Mais tu ressens plus en fait c'est comme la drogue, il y a une phase de rejet de la drogue de ton corps où tu en chies mais après t'es clean. Ouais, donc maintenant la scène me manque beaucoup mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins. Ouais, c'est ça. Que au début quoi. Donc il suffit d'une petite scène ouverte avec un mec qui parle au deuxième rang et bam, rechute. Rechute direct. Franchement, une privée pour des pharmacies, je fais. Oh, oui. tu sais ce qu'on a fait, on a eu Exit, le quiz de la grande finale, jeudi. T'as perdu en finale, non, c'est ça ? J'ai perdu et j'ai attendu la fin et après je suis monté sur scène, j'ai pris un micro et j'ai testé mes idées. Et juste d'avoir 3 personnes qui étaient là et puis qui se marraient, j'étais là, ça fait du bien. Alors, je vais faire. Pour contextualiser ceux qui nous regardent là et qui savent pas ce que c'est que Exit le quiz, c'est donc un jeu où à la fin on aide une personne à se à sortir des trucs. Double contre son camp de la part de Charles. Parce que Charles, on était censé gagner ce truc quand même. On était censé être en finale à la fin. Moi, on s'est auto pas décisif. Moi, j'étais vraiment désolé pour tous les autres que je me fasse sortir aussitôt. Et je l'ai fait tout seul comme un grand. T'as entendu l'anecdote ? Quelle anecdote ? De quand t'es parti ou pas ? Non. Je peux la dire, les filles ? Ah, mais toi, t'as fait la même chose ! Non, moi, je me suis battu. Moi, j'étais persuadé. Ah, toi, t'as fait pire que moi. Moi, j'ai fait pire. Moi, j'ai fait vraiment le truc de teubé 1.0. Et j'étais persuadé. Moi, j'ai donné la réponse à mon adversaire. Ouais, à moitié, toi, quoi. J'ai donné fait une passe décisive. À ton adversaire, et grâce à cette réponse, il a pu te sortir. Ouais. Et toi, moi, j'arrive, je suis en demi-finale, on est 3. Et comme j'ai sorti Bruno à la première manche, j'étais persuadé que lui, il allait me rendre l'appareil. Ouais. Et moi, comme un teubé, j'étais là, genre en mode, mais c'est sûr, je vais sortir. Ouais. Mais je vais pas sortir comme ça. Et du coup, j'écris mon nom sur le truc.
Et t'as fait. Et je l'ai levé en mode, c'est moi qui décide, tu vois. Voilà. Et Bruno, il avait voté pour l'autre personne. Mais non. Ouais. C'est ce qui s'appelle. La loose monumentale. C'est quand même rare de pas voir de la candeur chez Bruno. T'aurais pu t'y attendre quand même. Grave, ah, c'est trop gentil. On dirait un salut aussi. Un harakiri inutile. T'es. Ouais, grave. Le mec qui a commencé à. Mais non, fallait pas. Non, Stéphane, finalement. Merde. Est-ce qu'on entend des charges? Il a parlé avec son micro ici. Oui, pardon. On l'a entendu ou pas? Ouais, ok. Non, je m'inquiétais. Hein. Et toi, mais Yoann, par contre, c'est magique. T'as pris Breaking Bad. Ouais. Il y a combien de saisons dans ce truc? 5. C'est vas-y, vas-y, continue, continue. Question, il peut se poser. Non, mais... 127. 127 questions possibles sur Breaking Bad. Et t'as perdu en finale contre eux? Brian Cranston. Brian Cranston. Bonne réponse, très bonne réponse. 3 points pour Yoann Prévedal. Non, je me suis fait éliminer au premier tour parce qu'ils se chiaient dessus. Ils avaient peur de moi. Ah ouais. I was impressive. Because I am the one who knocks. I am the danger. I am the danger, Skyler. Les gars, si je vous ai réunis ce soir, science, c'est que... bitch. Yeah, that's what I'm trying to say right now, ok? J'ai pas la référence. Pas regarder. C'est que... Blaise, faut que t'arrêtes de regarder comme ça. Je vais mourir avec ce masque médical. Ah ouais, je suis un peu canard. Là, t'as sorti le... Ouais, bah, t'es venu avec ta meuf, hein. Oh, oh, par rapport au canard, oh, moi je l'ai. Je l'ai pas. C'est dans Breaking Bad aussi. Ah, ok. C'est pas du tout. On va s'attendre à de la punchline, c'est ça. En tout cas, les gars, merci encore vraiment du fond du cœur d'avoir fait le déplacement ce soir. Vraiment. Ça bah, fait, avec, ça avec fait vraiment chaud au cœur. Et si vous vous rappelez, ici, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Hein. Si je prends Alex Kominek qui est dans le chat en ce moment, je n'ai même pas encore checké ce qu'il se dit, mais ça doit être bien, non, bien. Ouf. Là, ça a été Alex Kominek, pour vous donner une idée de sa place dans l'humour roman. Est-ce qu'une assistante peut nous amener le... Non. Parce que ah là là, vraiment... il y a un illustré qui vient de sortir, c'est ça. On est apparu là dans la presse récemment, et il y a vraiment tous les meilleurs dans l'humour roman. Dont une femme. Voilà, tout le monde est là. Tout le monde est là. Il y a même une page d'après pour ceux qui sont pas sur la grande. Ouais. Donc on est sur 3 pages. Ouais. 3 pages. Qui recense un peu les figures de l'humour en Suisse romande, quoi. Et il y a Thomas qui est pas là aujourd'hui. Il est où Il est là Thomas. Ouais, ouais. Ouais. Hey Yoann, toi t'es là. Ouais, je suis juste là. Ouais. Ça c'est Blaise. Hello. Là il y a Charles. Ouais. Bruno. Ça... Mais vous savez quoi? On va vous le lire. Il est. Il est. Mais il y a pas Alexandre. Ah bah tiens. Putain, Alex. En plus, il y a de la place pour une personne en plus là. Ouais, ouais. Il y avait gras. C'est con quand même. Ah, mais c'est parce qu'il y en avait. Il y a Marina qui avait pas pu venir. Oui. Ah, c'est pour ça. Ouais. Ah, il y aurait eu 2 femmes du coup. Ça, c'est ta revanche pour. pour mort-sourire. Non. C'est le banane, c'est ça? Non, le banane, ouais, voilà. Moi, je dis ça parce que je suis. Parce que je sais. J'imagine que ça picote. Parce qu'on a tous des égos plus ou moins disproportionnés. Mais surtout parce que ça n'a aucun sens qu'il ne soit pas là-dedans. Oui, quoi. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Donc, voilà. Aucun sens. Donc, voilà, c'est mais bon. Mais moi, je trouve quand même live. Super tout ça. Hein. Ah, qu'on. Ouais. Qu'on soit merci, dans les salles d'attente chez le dentiste. Mais ouais, non, mais moi, je ne veux pas qu'on chie sur cet article. Elle. Alors que la journaliste a fait un super travail, par exemple. T'as son nom? Je déconne. Oui, Jade Albazini. Bah, Jade Albazini, merci pour cet article. Oui, le photographe dont j'ai pas le nom qui a bien les aussi. Autres qui regardent sur YouTube et qui routent pour Alex Kominek, n'hésitez pas à écrire un email à l'illustré et lui demander pourquoi il ne figure fond, pas mais je pense que, dans cette liste. Je pense que s'il mobilise son squad, Alexandre Kominek, le mois prochain, il y a une double page du cul d'Alexandre Kominek. Il y a une couverture avec le cul d'Alexandre Kominek. C'est pas loin de la réponse qu'il vient de nous donner sur le live de YouTube où il nous dit quand je ferai la couverture de GQ. Ah bah voilà, ouais. Mais en plus c'est sûr. Je dirais même comme le dirait Alexandre, c'est sûr. Mais mec, c'est sûr, dans c'est 2 ans sûr. J'ai sur GQ. Après il fait. Voilà. Après il ferait. Pagna. Après. Et on t'aime, hein. J'adore. J'avais qu'à être là. J'adore. Alors. J'adore. On le salue encore une fois, Alexandre Kominek. N'hésitez pas à communiquer avec lui. Il est connecté, il est en live, il discute avec vous sur le chat du YouTube. Entre temps, messieurs, moi ce que je voulais faire un petit peu, c'est quand même, regarder un petit peu votre carrière, d'où vous avez commencé. Quelques petits bijoux qui traînent à gauche. On a combien de temps? On a à peu près 40 minutes. Ok. Ça va être superficiel. Pour Blaise et Yoann et Johan et Charles. Et 5 minutes pour Charles. Ah pardon, je.
Je n'ai pas le T7 avec un S à la fin. Pas X nouveau, justement. Qui a commencé en premier entre vous? Bah, ça dépend quoi. Pardon. Ils se font des vannes. Ils se font des private jokes. C'était sur la grammaire. C'était vraiment de la merde. Je pense dans le paysage audiovisuel roman, je pense que c'est Blaise le premier. Que quoi, pardon. Qui a commencé. Et dans le groupe ah des oui, 5. Mais parce que Blaise, il a commencé. N'oubliez pas, il y a Thomas qui est dans le chat. Vrai, et Alex moi, j'ai, qui est dans moi le chat. J'ai commencé en même temps que Thomas. Blaise, quand il a commencé, on n'avait pas la même constitution encore. On était ouais. sous une monarchie. Mais en plus, je dis presque pas des conneries, non, tout à fait. Tu fais de l'impro depuis méga longtemps. Oui, mais si on considère faire de la ligue d'impro comme être dans le paysage audiovisuel, alors oui. Non, moi, je parle de Rouge FM et la radio. Ouais. Ça, j'ai commencé, j'avais 18... Je venais d'avoir 19 ans. Donc, c'était il y a 10 ans. Donc, 2009. C'était il y a 11 ans. Ouais. 11 ans, ouais. Ah ouais. Moi, je fête mes 10 ans de début de scène l'année prochaine. 2009. Ah donc, c'est ouais. Blaise le premier, ouais. C'est Blaise le premier. Même non, pas moi, je suis à... C'est moi le papa, Thomas. Quoi. Ouais. Je pensais que c'était Thomas. Parce que Thomas, il est connecté avec nous sur YouTube. Et je voulais vous faire découvrir. Parce que j'ai retrouvé un petit bijou. Oh, oui. Caché dans le net. Oh. Ouais. C'est Thomas, tu dis? Ouais. C'est sa première télé. Ah, purée. Ça te dit quelque chose? Non, je crois pas. Sa première télé. C'est quoi? C'est sur RTS? Même pas. Non, c'est la télé. La télé. C'est la ouais. télé. Oh non. Balance. Et je pense que tout le monde va se réjouir de regarder cette vidéo. La casserole. On va balancer en régie. La casserole. Et c'est la parti. Casserole. La première télé de Thomas Wiesel. Quand j'ai su que j'allais passer à la télé, mes amis m'ont demandé sur quelle chaîne. J'ai dit la télé. Ils m'ont demandé sur quelle chaîne. J'ai dit la télé. Ils m'ont demandé sur quelle chaîne. J'ai dit laisse tomber. Après, ils m'ont demandé si j'étais stressé. Moi, j'ai dit non, je suis pas stressé. C'est la télé, c'est pas CNN. Moi, j'ai l'habitude de faire des sketchs devant 15 personnes dont 10 font partie de ma famille, donc ce soir, c'est pas très différent. Bonsoir, mamie. Je suis à côté de Michel, mon gars. T'avais une coupe de... Mais j'étais là, en plus. Ouais, et on va regarder ça dans un petit instant. Ah, il y a un zoom, sur Johan et sa coupe de cheveux. Il a une coupe de cheveux de mec qui est dans les backgrounds des clips de Sum 41 quand on était adolescent. Mais donc, pour ça, c'est quoi? C'est le Swiss Comedy Club qui fait une soirée sur la télé? C'est ça. Ouais, il y avait un sujet autour du Swiss Comedy Club et à la fin, il y avait une espèce de tirage au sort ou je sais plus quoi pour qui c'est qu'elle allait faire un passage. Puis finalement, c'est Thomas qui a fait le passage. Mythique. Et finalement. J'en profite pour appeler Thomas. Ah bah oui. Ouais. Allô. Thomas, t'es en direct du Caustic Comedy Club sur la chaîne YouTube. T'es aussi connecté avec nous sur le chat, si je me trompe pas. Désolé, mais c'est le fleuriste. Bah, je me suis déconnecté quand la vidéo a commencé. Parce que le pire, c'est que Thomas, il a effacé toutes les vidéos pratiquement. Ouais, il a raison. Mais il fait bien. Et, et cette vidéo-là, elle n'était pas sous son nom en fait. Et j'étais là, Thomas, je crois que ton frère a uploadé la vidéo. Et il m'a dit non c'est mon père. Ah, c'était Paul, c'était sous Paul Wiesel, ouais. C'est le compte YouTube de Paul Wiesel, ouais. Mais cette vidéo, je suis allé voir, elle a quand même genre 800 vues, c'est assez. C'est buzz, hein, ça c'est buzz. C'est le méga buzz. Je pense qu'à la fin, il y aura au moins 12 000 balles dans le Kickstarter et t'auras au moins 1200 vues, je pense. Sur la vidéo. Vous pourrez retrouver sur la. Je suis prêt à sacrifier ma crédibilité pour ça. Est-ce que t'as encore la cravate? Oui, bien sûr. Mais pourquoi mais j'en mettais souvent au début, je sais pas pourquoi. Oui, mais parce que t'avais ton passage sur les Oscars avec ta statuette bouteille en pète en allée, là. C'était la suite, ouais. Ah, ouais. Ah c'est ça, donc c'est un costume. C'est un costume, ouais. Bah, c'est clairement, ça... moi je me prenais pour Ricky Gervais. C'est un personnage. Il sortait d'HEC, hein, à ce moment-là. Il n'avait pas encore trouvé cette technique de faire aucun effort, mais faire genre en fait les t-shirts, c'est un. Oui, c'est un effort. Ouais, c'est bien joué. Et tu vois aussi le truc typique suisse genre, au début des années 2010, de genre on connaît pas trop le stand-up, mais je pense que la config où on a trois personnes sur le plateau et c'est personne. C'est une bonne idée, c'est ça marche super. Donc, ça crée une ambiance. Et dès le début, le public derrière l'artiste. Ouais, en plus, il y a les autres artistes derrière. Et c'est là où je voulais en venir, Thomas, parce que je sais que toi et Johan, vous connaissez quand même depuis plusieurs années, que vous vous soutenez énormément dans vos carrières. Et je sais pas si dans ce spot vidéo, tu as pu apercevoir les réactions de Johan pendant ton passage. En tout cas, j'ai pas entendu de rire.
Très bien, bah, je pense que c'est encore mieux qu'un rire. Donc, ce que je te propose, oh, c'est putain. Que je vais raccrocher. On aura un bon zoom sur la masse de Johan pendant ton passage, que je pense remettra bien en question votre amitié, en tout cas. Non, mais je veux quand même dire un truc avant ce moment. Je veux quand même préciser que si c'est moi qui fais le passage et pas les autres, c'est que Ivan avait trouvé que j'étais celui qui était le plus prêt. Donc, vu ce que j'ai fait là, imaginez le niveau des autres. On peut applaudir Thomas Wiesel qui était avec nous en ligne. Thomas, on te remercie. On sait qu'en plus, tu as eu une longue semaine de tournage. On te remercie énormément et on te souhaite une belle soirée. Bisous, les gars. Ciao. Ah, je l'ai jamais aimé. J'ai été méchant un peu dans mes regards. Oh, c'est magistral. Oh, ah, je suis tellement chaud là. C'était le début de notre amitié. C'était le début de votre amitié. Je voyais plus comme un rival. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à la régie? Est-ce qu'on est prêt à balancer la deuxième vidéo? Et c'est parti. Après, ils m'ont demandé deuxième vidéo focale sur Johan. C'est la télé, c'est pas CNN. Moi j'ai l'habitude de. Non, alors que Vishal c'est un team player. Oui, voilà. C'est ça. Non mais en vrai, c'était pas méchant, je crois. Il me semble pas que c'était méchant. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça qui non, est. Mais non. Pour de vrai. Je suis pas genre. Oui. Bravo la blague. T'étais déjà passé ou t'allais passer? Non, je crois que je passais pas du tout. C'était que Thomas qui passait. Ouais. Ils vous ont vraiment foutu derrière. Et en mode, Ivan Madonia, il était en mode. Et là, on a d'autres membres de l'académie du Swiss Comedy Club. Oui, c'est le producteur du Swiss Comedy Club. Oui, c'est ça, exactement. Ivan Madonia. Ok, d'accord. Vous étiez en mode musée. Ouais, c'est ça, en mode regarder les spécimens qu'on a aussi dans le. Et vous êtes là pour rire aussi. Oui, oui. Mais j'ai ri à ce moment-là. Comme Ivan. Comment Ivan, son rire, ça fait pas. Non, il faisait. Alex le fait très bien aussi. Oui. On le chopera au téléphone tout à l'heure. Je le connais Alex, pas, moi. Prépare ton rire, Madonna. Dans Wrecking Ball aussi. Pour nous. Et ouais, donc du coup, c'était dans le contexte du Banane, parce qu'il y avait le partenariat entre c'est ça. Le Swiss Comedy Club et le Banane Comedy Club, où il y avait le premier tremplin. Ouais. Et donc du coup, là, ils ont mis la lumière sur Thomas Wiesel. Et ça, c'était après la finale, quand Thomas avait gagné, en fait. C'était après. Moi, je pensais que c'était avant. Parce que je me souviens... Ah, je sais plus maintenant, c'est une bonne question. Parce que du coup, t'as pas eu ta chance là. Mais j'ai eu ma chance après, ouais. Mais t'as eu ta chance très rapidement après. Au Banane. Ou ton ouais. premier personnage, en fait. Ouais, c'est ça. André de la Crota. André de la Crota. Ah ouais. Ah oui. Ah bah ouais. C'est le tout premier truc que j'ai écrit pour la scène, c'était André de la Crota. Ouais, moi, si tu regardais sur Facebook, j'étais fan d'André de la Crota. Ouais, ouais. Tu fais plus, toi? André de la Crota, je le fais plus. Même si t'es recul, je le fais plus. Parce que j'ai l'impression que je suis passé à autre chose, tu vois. Il a le droit aussi, hein. Ouais. Il a le droit. Ah, mais MC Terkut. Mais quelque part, ça t'appartient plus qu'à toi, tu vois. Mais c'est ça. Et j'ai l'impression d'avoir donné. C'est dans le paysage. À tout le monde. Par contre, MC Terkut, il est tatoué là derrière, hein, je veux pas dire. Mais c'est vrai que MC Terkut. Enfin, bon, à l'époque, je te connaissais même pas. Non, mais ces personnages. Ces personnages-là, ils ont. Ça a été monstrueux à un moment donné, sans vouloir faire le mec. Mais ça a été monstrueux à un moment donné. Encore aujourd'hui. Et là, j'ai pas fait de background. Check ni quoi que ce soit. Il y avait un immense délire avec les potes. C'était Terkut qui faisait. Mademoiselle, je te jure, t'es plus belle que ma voiture. Par exemple, je t'ai balancé contre le mur, qui ne passerait pas plus jamais aujourd'hui. Mais moi, je me souviens. Donc, tu faisais tes persos sur YouTube. Ouais. J'étais là, putain, ce gars quand même, c'est énorme, il les tient bien, quoi. Et t'avais fait une vidéo où tu partais en Suisse allemande. Et là, et t'étais pas content. Non, ah oui, c'était ma préférée. C'était un préféré. Où il avait dit ouais, je pars en Suisse allemande. J'espère que mes personnages vont pas prendre l'accent suisse allemand. Et puis je fais mes personnages avec l'accent suisse allemand. Il a fait ses persos avec en plus une couche justement par dessus. Moi, j'étais plié. Merci. J'adore. Et moi, je propose quand même qu'on s'arrête 3 secondes sur la punchline qu'il a proposée aussi au Banane Comedy Club, oui. Qui était quand même d'anthologie. Est-ce qu'on est prêt en régie? On est prêt. Johan Provenzano en demi-finale Banane Comedy Club en 2012, exactement. Ouais. Et c'est parti. Il y a aussi quelque chose que c'est complètement la foire à la saucisse. C'est les clips musicaux. Avant, t'avais une véritable histoire derrière le clip. Je pense à l'autre là, Michael Jackson. Déjà, c'était le seul chanteur qui pouvait chanter en noir et blanc. What? Mais tu sais que... Mais c'est fou parce que j'ai l'impression que tu le tiens pas encore bien. Non, c'est la première fois que je le faisais sur scène. Ça, c'était 2012, donc c'est un an et demi avant de les faire mes vidéos. C'était vraiment la première fois que André de la Crota sortait, quoi. Putain. C'est sa naissance. Et tu sais que ces trucs là où je fais un jeu de mots de merde et après je fais yeah! Je le fais encore aujourd'hui. Ah, mais c'est génial! C'est ça, Chamonix. Chamonix, c'est comme ça. La blague de Chamonix. Ouais, ça, c'est là, je pense qu'elle va rester toute ma life. Je pense que c'est une des seules que je vais garder tout le long de ma carrière. Je suis assez pour. Ouais. Ah, elle est drôle.
Et à partir de là, tu commences un petit peu la scène, et tu avais une grande inspiration déjà dès le départ, dans le paysage un peu suisse. Bah, tu dis sur scène. Ouais, des gens que tu apprécies énormément dans le paysage roman déjà, non? Ouais. T'as un exemple, t'as des noms? Là, j'ai l'impression que comment il formule, c'est que lui, il sait. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu ne sais pas. Non, je ne sais absolument pas. Mais il sait quelque chose sur toi que toi, tu ne sais pas. Il est proche. C'est mon papa? Ça se peut. Je sais pas de qui tu parles. François Sylvain. C'est vrai, il est là. Top. Blaise Berzin, il était un Blaise. Blaise, mais Blaise, moi j'ai bossé. Et tu sais que pour la petite histoire, moi j'ai un peu commencé l'humour parce que moi je regardais Blaise dans le Bureau des Bonnes Manières. J'ai un souvenir de moi sur mon lit en train de regarder le Bureau des Bonnes Manières. Ouais, ce qu'il fallait que tu me dises juste avant en fait. Ouais, exactement, voilà. Non, mais oui, c'est vrai. Blaise, moi je l'ai dit en plus plusieurs fois. Oui, tu m'avais dit. Il a fait partie de ces personnes qui ont un peu façonné mon amour pour écrire des blagues, quoi, à fond. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que dans le paysage humoristique roman, pas de Johan, pas de Blaise, pas de Blaise, pas de Johan. Voilà. Oh, c'est beau ça. Charles, j'espère que tu vas bien. Mais moi, ce que je veux retenir, c'est ce qui s'est passé il y a 10 ans plutôt. Alors, on va regarder la prochaine vidéo. Ouh là là. Qui est l'inspiration donc de Mais il alors il faut première... dire un truc, il s'appelait pas Blaise à l'époque. Non, c'était Blaise. Là oui. Ah là c'était Blaise. Mais là, je vois ce que tu veux dire. Tu t'appelais pas encore tu t'appelais pas encore Blasu avant plus. De te rappeler déjà plus. Déjà plus. Je crois. Au des bonnes manières déjà plus. Si, je pense qu'on est, on est sur le point de tomber sur un bon scoop. Non, parce que j'avais un pseudo. Quel est le Blaise s'est appelé Blasu pendant longtemps. Tu t'appelais Blasu parce que mais en impro. Non, à la radio. À la radio, à la radio, parce qu'en fait, j'ai été engagé à LFM, mais je faisais pas d'humour. Je faisais le dimanche matin, dont une heure d'émission de jardinage. Jardissimo. Ah, c'était toi, Jardissimo. L'enfer sur terre. Ok. Mais c'était mon premier job et j'étais super content de faire ça. Et mine de rien, sur les 4 heures d'émission que je faisais, Jardissimo, c'était le moment que je préférais. Okay. Mais bref, et je m'appelais Blaise. Et puis il y a Rouge FM qui m'a contacté en me disant mais t'es drôle en fait, tu veux pas faire des capsules d'humour chez nous? Puis je dis mais j'ai pas le droit de faire les deux. Ok, donc fallait que tu sois quelqu'un d'autre. Il fallait que je sois quelqu'un d'autre à Rouge FM. Donc j'ai pris mon pseudo qui était le nom de mon Skyblog de quand j'étais ado. Excellent. Blasu. Et en fait, après quand je me suis fait virer de LFM. Est-ce que blasu.skyblog.com existe encore? Bah non, je crois pas. C'est méga triste. N'hésitez pas à checker ça sur YouTube parce qu'on sait jamais, des fois ils disent non, mais ça existe. Johan, tu te rappelles de ton blaze sur Skyblog? Ouais, 07th January avec 2 U. Comment être sûr que personne va trouver? Ceux qui ont réussi à décrypter ce qu'il vient de dire, n'hésitez pas à le noter sur les commentaires YouTube. Mais oui, moi j'ai une grande inspiration en donné de Skyblog. Et ouais, Charles, c'était cool. Moi Skyblog. J'ai eu aussi, mais je crois que je l'ai jamais retrouvé. Et après j'en avais un sur une autre plateforme que MySpace, que j'ai sur Blogspot, je crois. Ah oui, moi j'ai eu aussi Blogspot, je l'avais oublié ça. Et après je crois que 10 ans après, j'ai écrit 19 emails à Google pour leur dire enlevez ça. Je n'ai plus c'est les mails qu'il faut et tout. Et personne n'a jamais répondu, donc c'est là-bas quelque part. Ouais. Putain, c'est un monstre. En fait, si j'avais fait mes recherches avec Blasu, je serais tombé sur énormément de dossiers. Oui, et ça y est encore. Ouais. T'aurais dû... Blasu, Rouge FM. D'ailleurs, si quelqu'un bosse à Rouge FM et regarde, on aimerait bien avec Johan un peu supprimer 2-3 vieilleries qui, je pense déjà, après l'ère MeToo, ne seraient plus OK. Non, je sais pas si c'est pour MeToo ou pour d'autres trucs. Ouais, mais il y a des trucs qui ça ont mal vieilli. Ça a tellement vieilli. Si on peut virer... C'est vrai que sur Rouge FM, à un moment, je sais plus si c'était les mardis ou les mercredis, l'après-midi, il y avait une émission qui s'appelait « Oh, en vrai, elle veut ». C'est vrai. C'était une émission qui s'appelait ça, non, ça veut dire oui. Ça c'était un peu, le titre de l'émission. Vieilli, non, mais c'est vrai qu'on a des vieilleries qui viennent quoi. Donc ça, du coup, j'imagine. Cas, même s'ils arrivent à les enlever, en tout cas, je voulais partager la première chronique en fait, vidéo filmée sur. Ça Rouge c'est ma télé. Première télé, ouais. La première télé, hein. Ouais. À la régie, on est prêt. Oui. Magnifique, on lance Blaise sur Rouge TV. Bonjour, bienvenue dans le bureau des bonnes manières, le bureau qui étudie les bonnes manières, d'où son nom. Aujourd'hui, le bar. Il y a des jours où on a très envie d'une bière devant un match de foot. Ce jour-là, tous les mots de notre vocabulaire disparaissent sauf un. Ouais. Il peut être utilisé pour dire bonsoir. Ouais. J'aimerais une autre bière. Ouais. Ainsi que c'est un fameux trois mâts fin comme un radeau, ICO Santiano. Il n'y a rien qui va à part ça. Hein. Moi, c'est des souvenirs, parce que tu viens de rentrer, c'est vraiment des souvenirs. C'est des souvenirs, des soirées, regardez ça. Jeune. T'as la même voix. Oui, mais j'ai pas beaucoup changé en fait. Mais en fait, ce qui est fou d'ailleurs, c'est que j'avais tourné dans un bar
Et puis évidemment, avec la notoriété que j'avais pas, aucun bar me disait « Ah oui, venez tourner avec plaisir ouais. ». La seule qui m'avait dit oui, Patricia, le bar La Clé à Lausanne, qui n'existe plus, qui m'a dit « Ouais, ok, mais viens avant que j'ouvre, quoi ». Donc j'ai tourné ça à 5h du matin, un lundi, quoi. C'était vraiment triste. Excellent. Ouais. Moi, je propose, de temps en temps, je vais rafraîchir la page du Kickstarter où vous pouvez mettre des dons. Y a pas moins si je vois qu'il y a un truc qui monte gentiment, là, je te ferai le signal. Ouais. Voilà, on est bien, on est bien. Et donc, le truc le plus haut, c'est que début 2012, toi, t'es derrière Thomas. Ouais. Et tu scrutes un petit peu. Ensuite, Blaise, il est sur Rouge TV. Et t'es là, attends, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais, mais non, moi, je suis un méga suceur. Et t'arrives, et après, t'arrives sur Rouge TV. Sur Rouge FM, je suis. Rouge FM, pardon. Ouais. Et là, Blaise se barre. Alors, Blaise se fait virer. Ah ouais. On était sur la même matinale, une matinale qui était produite et animée par Martin, Philippe Martin, aujourd'hui à Option Musique. Comme quoi, on reparle de cœur à cœur encore. Hein. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait cœur à cœur maintenant? Il y avait Julie Marot, il y avait Edouard Chapuis, Antoine Weissenbach, et comme journaliste, c'était Quentin. Ça a tourné, il y en a eu plusieurs. Oui, il y en a eu plusieurs. Et on était les trois, Yann, Blaise et moi, on était sur la même émission et on se passait les jours. Et à un moment donné, il y a eu un espèce de balayage à Rouge et je suis le seul qu'ils ont gardé. Oui. Et puis Yann et Blaise ont été virés. Ouais. Et moi, je suis resté. Ils ont fini par te virer aussi. Et moi, ils m'ont viré les 6 mois après. Bah, ils ont quand même viré Provenzano, Marguet, Bersinger. Je pense qu'ils ont eu le nez assez fin. Ils l'ont bien senti. Hein. Ah, ouais, c'est très drôle. Ouais. Et après, on a repéré un peu un pattern un petit peu, non, Blaise, au niveau du Han. Oh là là. Quoi? D'aller dans les endroits où lui. Ouais. Mais par rapport à Caracatac. Ouais. Mais ce qui est chou avec Caracatac, quand on a fait le collectif vidéo de Caracatac, Johan n'en faisait pas partie. On a fait une vidéo en mode genre, c'est cool si vous avez des guests. Et Johan, j'étais le guest. J'étais le guest de Caracatac parce que moi, j'étais déjà. Entre temps, il avait piné le. Ouais, c'est ça. Il avait piné le game sur les réseaux sociaux par rapport à nous. Et du coup, on l'a invité en tant que guest. Et puis après, Charles, Marina, Thomas ont quitté Caracatac. Et Johan a rejoint le truc. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a un peu un pattern. J'ai pris la couleur 3 et puis couleur 3. C'est voilà, c'est ce que j'allais dire. Les couleurs 3 pour le moment, tout va bien, tout le monde est là. Tout va bien pour le moment. On y est tous. Et on les salue. Ouais, on y est tous. Ouais. Donc, à cette époque-là, il y a un peu toute cette clique lausannoise qui commence à émerger un peu dans la scène. Riviera aussi. Dominée aussi. À dominer. Parce qu'avec les écouteurs, je n'entends pas très très bien. Mais... Et moi, je suis pas lausannois, je te l'ai dit. Si, mais c'est vrai. Et ouais, même quand on fait des lives à Genève, c'est les deux tiers t'as des vu gens qui sont là. T'as vu, voilà. C'est chronologique, t'inquiète, Charles. Parce qu'après, ça a un problème dessus. C'est une question simple. C'est vrai, parce que moi, 12-0-0, 12-0-1, Nyon, 12-0-2, 12-0-3. Non, je fais ceux de Genève. 12-0-4, 12-France, 12-17, Mérin. Juste de commencer avec 10, déjà, phonétiquement, ça joue pas. De quoi, pardon? De commencer avec 10, phonétiquement, ça... Si, que des numéros 12, tu vois. Mais 12, ça. Et toi, tu dis Rivera, mais bande organisée, tu le fais au calme. Bah, mais parce que, mec, c'est arrivé plus tard. Mais moi, je suis pas un gars lausannois. Non, mais parce que je crois que j'ai l'impression d'être le seul, d'être plus loin que Lausanne dans l'humour roman. Alors, tous ceux qui habitent à Fribourg. Tous les malaisons. Sur l'arc lémanique. Sur l'arc lémanique. Salut nos amis fribourgeois. Il y en a pas mal, hein. Oui, il y en a beaucoup, mais sur l'arc lémanique, quand on prend le train et qu'on joue à Genève et puis après qu'on a rentré direction Lausanne, je suis tout seul à partir de Lausanne. C'est ça que je dis. Mais c'est marrant parce que tu disais ce truc. Moi, j'ai grandi en regardant la télé où tous les humoristes et toutes les humoristes, c'était Genève. En fait. Ouais. Les gros cons, Gorgoni, Brigitte Rosset, tous ces gens-là, c'était des Genevois. Et tout à coup, ça a switché. J'ai l'impression que c'est qu'une affaire de... C'est qu'une affaire de temps. Ça va repartir, le curseur va rebouger. Il m'écoute pas, de toute façon. Non, je pense qu'il regarde le chat. Ouais. Quelle belle excuse, ouais. Vas-y, continue ton émission. Non, c'est Alex qui essaie de rentrer en communication avec vous. Est-ce que j'arrive à faire exploser ce bonbon rose? M'excuse, Blaise, pour cette seconde d'inattention. Parce qu'il a notamment essayé de nous partager l'écran actuel qu'il a devant lui et l'enthousiasme de Charles par rapport à ce live. C'est vrai que Charles est au bout de sa règle. Donc, je m'excuse, Blaise, mais ça va aller. Charles, heureusement que c'est une table haute, parce que sinon, il serait quand même. 12-12, 12-9. Donc voilà, je ne sais pas si Olivia, t'as un moyen de zoomer par ici, mais je peux le mettre sur l'écran. Donc voilà, je vous présente Charles Nouveau.
notre invité d'honneur ce soir. Si les gens sont sur le live, ils ont bien vu que ça manquait un peu de dynamisme côté droit de l'écran. Mais en fait, c'est parce que, mais parce qu'on tu me sollicites pas assez, mais c'est aussi parce que t'as trouvé rien sur moi sur internet. Mais tu fais chier, mec, c'est un truc de ouf. Mais parce qu'en fait, pendant un moment, quand j'étais au début des blagues et que je savais pas encore si j'allais me professionnaliser ou pas, j'avais aussi l'option. J'avais passé plusieurs étapes dans au niveau du recrutement avec le MI6. Et du coup, ils m'ont fait effacer tout un certain nombre de trucs sur YouTube. Putain, j'ai vraiment. Tu m'as twisté. J'étais là. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il a fait une autre formation? Tiens. je vais avoir comme une merde. T'as fini ton master. C'est deux secondes là où j'étais là, mais attends. Ah, ok. Ce qui va vraiment nous raconter ça à ce moment-là, tu vois. J'ai décidé, maintenant c'est mon interview. je me suis réveillé. donc voilà, welcome back Charles. Non, mais ouais, il n'y a pas grand-chose en ligne, j'ai jamais mis. Mais ce qui est un problème d'ailleurs. J'ai pas l'impression que quand tu commences, il faut absolument tout mettre sur Internet. Alors moi, c'est un truc que j'ai dit récemment à des plus jeunes, où je leur ai dit, qui en plus sont à fond, ils mettent tous leurs chroniques comme nous. Ouais, ouais. Moi, je dis, si je pouvais revenir en arrière, je mettrais beaucoup moins de trucs. Ouais, il ne faut pas tout mettre. Mais d'un autre côté. C'est vrai que j'ai pas et j'avais pas grand chose en ligne. Puis c'est un peu ça qui fait venir les gens dans ta salle, quoi. C'est vrai. Enfin, tout ça pour dire que j'ai l'habitude de jouer devant cette personne. C'est là où je voulais. Ah ouais, il y a une différence entre ne pas vouloir uploader des vidéos et même les trucs qui sont référencés n'existent plus. Toi, t'as voulu effacer certaines choses. Ah non, j'ai rien effacé. Putain, c'est dingue, j'ai cherché. Mais il a tué des gens, ça. Je pense qu'il a tué des gens. J'ai galéré. Les plus vieux trucs, ça doit être des chroniques radio de 2014. Même s'il n'y a pas grand-chose. Ah, t'as pas trouvé. Mais si, il y a. Bon, faut dire que t'as changé de nom aussi. Hein. Oui. Parce que nouveau, c'est un pseudo, on est d'accord. Exactement. Voilà. Johan, je m'appelle comment à la base? Charles de Narval. Voilà. Ah, mais oui! Ah oui! Donc, excuse-moi, Nouveau, c'est mon vrai blaze. Non, c'est Fernando Couteau à la base. Bah oui, c'est Charles Nouveau. Bersinger, c'est comme un pseudo. Les gens, ils vont vraiment. Ouais, à la base, il s'appelle Blaise Turner. Blaise Turner. J'ai pris un nom saint-gallois parce que. Starring Blaise Turner. Il s'est dit, ça va jamais marcher dans ce petit pays-là si je fais pas je dois campagnardiser un peu. Comme ma carrière va jamais décoller à Winterthur si je prends pas un nom un peu ch'tofif. Ouais, c'est ça. Blaise Turner qui présente Confinage, la revue. Turner. Je me suis égaré quelques secondes tout à l'heure. Donc Blasu, tu disais par rapport à Lausanne. Pardon. Tu viens de l'appeler Blasu. Je veux que les gens recherchent les dossiers maintenant. J'en ai marre. Faut que ça ressorte. Mais c'est une autre. Le truc a commencé en 2012. Mec. C'est comme. Mais c'est trop bas que ce soir, c'est flashback. C'est, vrai, c'est comme Dwayne Johnson. On n'appelle plus The Rock. Bah, c'est pareil avec Blaise et Blasu. Ah ouais, c'est vrai. Parce que Blasu. Belle comparaison, merci. Deux personnes complètement. Similaires. C'est méconnaissable, torse nu, c'est les Alors, tu disais du coup. Lausanne. Blaise, Lausanne. Et je me suis égaré quelques secondes, je m'en excuse. T'inquiète, c'est pas grave, c'est dans les musiques. Moi, je crois que I made my point. Non mais c'est en ce moment ça peut dégager une impression en termes d'humour c'est The Place to Be, mais je suis même pas convaincu par cette phrase, mais qu'on est beaucoup en tout cas à venir de là-bas et puis qu'il y a beaucoup d'humour à Couleur 3 et que Couleur 3 c'est à Lausanne. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est qu'une affaire de, je sais pas, ça switch. Mais il y a eu nouveau un... Genève, mais je y a pense eu que un le truc, pôle de l'humour sera Delémont dans 30 ans, puis voilà. Il y a eu un truc un peu bizarre à Couleur 3 de où l'humour vaudois. Ça, c'est de l'humour physique. Non, mais tu sais, il y a un espèce d'accent vaudois qui n'est même pas un accent qui existe dans la vraie vie, que tout le monde fait et que j'ai l'impression que tout le monde s'imite les uns les autres. Eh, il y a un peu un truc comme ça, Couleur 3. C'est genre oui, c'est, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un accent, pour moi, c'est un accent lausannois, en fait. Ok, ouais. Mais oui, il y a un truc où il faut un peu le faire pour être hype. Ouais, c'est bizarre. Ouais, et c'est un vrai truc, quand tu dis une connerie, tout le monde a le réflexe de « Ouais, mais je pense !» Ouais. Tu vois, genre, tout le monde fait ça. Mais c'est comme quand j'avais fait mon live avec Thibaut, justement, à plus Nalim. Quand j'ai fait mon live avec Thibaut ici, et puis qu'il m'avait dit genre, ouais, je vais dire, c'est monstre cool, comme dirait Blaise. Puis je dis, mais non, c'est pas comme dirait Blaise. J'ai grandi dans une ville où tout le monde dit ça. Donc il y a un peu. Faut pas tout mélanger. Et puis j'espère qu'Yohan et Nadim sont toujours avec nous. Hein ? On est à 7962 francs ! Ouais ! Bam !
N'hésitez pas à continuer à faire remplir cette cagnotte. Attends, on est passé de combien? On a fait combien depuis le début? Là, 20 francs, je crois, un truc comme ça. On a fait 20 francs depuis bah le début. Un truc comme ça, ouais. 50 50 balles. 50. Mais non, 20 francs 50. J'essaie de motiver les troupes, tiens. Bam, il y a 20 francs qui viennent de te poser. Je veux pas juger la... le dépli... Enfin... Quoi? Ça, c'est mais vrai. C'est Alex. Mais il fait un peu de tube parce que c'est 20 balles que Alex me devait. Ouais, voilà. Alex, c'est pour toi. On te les transfère. Mais non, ouais, il y a 50 balles pour le moment. N'hésitez pas à mettre à plus. Fond, ouais, allez-y. Je voulais juste un peu motiver les troupes, tu vois. Ouais, un peu à la loterie romande. Tout ça après, ça. T'as dit où on est à combien? On est à 7962 francs. Objectif 8000. Objectif bam, 8000. Objectif allez. 8000. Tout, tout ça, 8000. Ça. Donc j'ai fait énormément de bruit pour 50 balles. Tout mais... ça, comme un des anciens spectacles de Gad Elmaleh, après, ça part en live. Sachez-le. Ça sert à ça. C'est pour je voulais ça lâcher mon micro, mais j'ai ouais, pas envie de le casser. Ça valait pas la peine. Bam. Joli. Objectif 8000 francs à la fin de ce live, s'il vous plaît. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait un peu comme à la loterie romande. Je sais pas si vous avez ces stands là où tu prends ton tribolo. Ouais. Et à l'ancienne, maintenant, je crois qu'il y a plus. Mais moi, j'avais toujours un mec qui avait sa cloche. Et quand tu gagnais, il faisait genre un méga bruit de ouf. Ah ouais? Parce que t'avais gagné un. Dans le kiosque? Non, à Balexer. Mais tu sais, vraiment dans le open space, en plein milieu du truc, et genre t'arrives, t'as ton tribolo. Balexer, c'est un centre commercial là. Oui, je vois bien. C'est un centre, ouais, ah, c'est un centre commercial à Balexer, qui se rapproche le plus de Métropole 2000. Mais ouais, ça existe allez. Plus déjà, Métropole 2000, ça s'appelle plus comme ça. Ah c'est... ouais, sérieux? Bah non. Dingue. Ça s'appelle comment maintenant? Ça s'appelle la Migros des Terreaux, je crois. Ok, ouais. Mais Balexer, mec, je vois bien, il y a le cinéma 4DX là. Voilà, exact. Ouais, c'est... Et en plein milieu, en fait. De la halle, t'as le mec de la loterie romande avec sa petite clochette. C'est drôle. Et du coup, genre, normalement, quand tu commences à faire du bruit de ouf, c'est que genre, tu viens de taper 2000 balles, tu vois. Mais lui, tellement il faisait chier dans sa journée. 2 francs. Ouais. 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 Ouais, je gagnais genre 10 balles et le mec, t'es là. Pop, tu imagines, un gars te suit, tu te fais buter parce qu'il a cru que t'avais un pactole. Toute l'équipe. Tu finis dans le 20 minutes. Tu sais que pour Cash, d'ailleurs, pour Cash, pour l'émission Cash, on donne. C'est peut-être une exclusivité. Quelle émission? Cash. Ok. Mais on n'a plus le droit de filer cash aux candidats. C'est-à-dire? Ils gagnent les 1000 francs, on garde l'acte de donner le billet. Après, il faut les transférer. Et après, ouais. C'est un virement à cause de ça, à cause du fait qu'ils peuvent se faire suivre dans la rue. Non, à cause du fait que tu filmes gars, au Bastion. Enfin, tu vois, il y a moi. Ouais, c'est vrai. Il y a des endroits. Oui, il y a des quartiers. Ouais. Donc, si vous gagnez au tribolo, ne le dites pas. Mais ça craint pas, les Bastions. Non, ouais, pourquoi t'as dit bah ça non, mais c'est parce que Blaise il connaît pas, il a genre. Oh, ouais, ouais. Quartiers, je me suis dit que ça devait être un quartier mal famé, mais j'ai pas un souvenir. Non. Les Bastions, c'est là où il y a les c'est le mur des réformateurs. Bah, la place de la Bastille, c'est là-bas, non c'est absolument. Ouais. Exactement. Je connais bien. Et du coup, ouais, donc il y a pour moi il y a des vagues comme vous disiez, mais 2013-2014, bam. Genève revient gentiment un peu en force. Alexandre Cominec, ah, ouais. Marina Rollman. Bon, ouais. Et ce qu'on peut surtout dire, c'est que. C'est pas à moi de le dire. Charles Nouveau ah, okay. Allez, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Genève était quand même pas mal motivée. Extrait. Laurent Ruquier, les enfants de la télé. Casserole. Et on a l'agence. Vous vous rappelez de l'agence? Ah purée, il y en a oui, qui ont fait l'agence. Moi j'étais à l'agence. J'étais à l'agence. Ouais, ouais. Mais tu vois, même à l'agence, je trouve pas de vie. Mec, attends, pour vous dire, parce que je veux que les auditeurs soient au courant aussi, pas qu'ils s'endorment une deuxième fois, mais tu sais qu'il y a même un des animateurs, je sais plus comment il s'appelle, qui a uploadé une des vidéos de l'agence. Ouais. Et c'est écrit Charles Nouveau. Nicolao. Vincent Collère. Je ne viens pas de son. Sandrine Biglino. Son blaze. Non plus, c'est un gars. Ouais. C'est... Bon, Bref, mais il a uploadé une vidéo et il a écrit Charles Nouveau. Et je suis pas dedans. Et moi, je suis là. Bon, bingo. C'est bon, j'ai un dossier. Mais là... c'est bien parce que d'habitude, c'est. C'est comme un mec. D'habitude, ouais, d'habitude, je suis dans les trucs et puis quand les gens écrivent des articles, il n'y a pas mon nom. Donc, Mais c'est peut-être avec coécrit ce truc. Je sais pas. Je me rappelle. Non, mais genre, tu sais, les trucs YouTube que les gens uploadent sans titre, sans rien. Ouais, ouais. Ou il y a encore .mp4 après le titre. Ouais, ouais, ouais. Charles Nouveau, .mp4. Bon, ça, c'est bien. C'est vrai, gâteau. Personne là, c'est cadeau, machin, j'attends. Et puis, c'est Didier Charlet qui rappe. Et je tombe sur, sur Alex. Ah, c'est le truc des hyperactifs. Il a dire. Raison pour laquelle j'ai eu envie de convier sur ce plateau un hyperactif pour qu'il témoigne de son expérience. Jean-Claude, si vous voulez bien venir. Yes. Vous êtes là? Ouais. Ouais. Jean-Claude. Oh, 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 voilà. Calmez-vous, Jean-Claude. Ça va le public. Ça va le public.
Ah, ça me fait plaisir, Thomas, Marina. MDB, énorme, énorme, énorme. Sandrine, énorme, énorme. Bonjour. Ah, ça serait con de faire un accident avec la présidente du TCS, quand même. Ah, ouh. Incroyable. Ouais, ouais. Mais on voit déjà la folie. Et là, c'est, ouais, c'est le début, là. C'est commencé à arriver en force et je vais en profiter. Mais il y avait encore le slip à l'époque. Exactement. De faire un coucou à notre ami Alexandre. Ah, on va l'appeler. Qui est en live sur le chat. Bah, ouais, il fait ah, oh, ça fait trop plaisir. MDV. C'est Michel Durand-Valade. Michel Durand-Valade. Il est en train. Il est en ce moment, il est sur son balcon en train de faire regardez Denner. Les gens, ils vont chez Denner. Je vais y arriver, hein. Allez, hop, c'est parti. Et on va voir s'il a réussi à nous préparer le rire, on avait dit, de Ivan Madonia. Ivan Madonia. Je ne connais pas Ivan Madonia. Oh là là, on est là! Alex Comilec en live du Cosy Comedy Club. Vous êtes des bâtards. Oh, ce style, il est magique. J'ai dû couper le son carrément, ça me tellement j'étais gêné. Ça va le public? Ouais, ça va. Ça va le public? Ouais, ça va. J'arrive à vous regarder. Hein? Je trouve ça fou comme vous arrivez à vous regarder sans. Mais on a les masques. Hein, ça m'étonne pas, mais les masques. Non, mais surtout, on est tous fiers de ce qu'on a accompli par la suite. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est un point de référence pour le parcours qu'on a fait, Alexandre. Ouais, c'est vrai, c'est beau. Hein. Toi, t'as l'impression d'avoir quand même gravi quelques échelons ou Ouais, ouais, je pense. Bah, tu vas bien l'illustrer. Hein. Bon, à part ça, la méga bande-annonce avec un casting de malade sur Canal, on peut en parler deux secondes aussi. Parce que là, on fait moins. Alexandre, il est dans un court-métrage sur Canal Plus en mars. Ouais. Exactement, il a posté récemment donc, une photo sur Insta où il y a 5 courts-métrages différents. Ouais. Un court-métrage de Marina Rollman. De Marina Rollman, et genre, t'as au calme Vincent Cassel, bam! Ah, pas actif! T'es juste à côté, bam! C'est une fierté de ouf! Raconte-nous un peu, Alex! De quoi? Rien, bonne soirée! Ouais. Plus, allez! C'est tout pour moi! T'as rien compris. Le court-métrage Canal, raconte! Ah, que je vous raconte le coup. Bah, j'étais avec Vincent sur le plateau, on faisait une italienne. Non, c'était cool pour moi. C'était une première expérience cinéma où je devais jouer plus une personnalité qu'un personnage, donc c'était marrant. Tu jouais quoi? Tu jouais quoi comme personnalité? C'est un peu un rôle dans lequel on m'attend pas. Habillé? Donc c'est cool. C'est un peu ton Ciao Pantin, quoi, ce court-métrage. C'est un peu ça. Non, mais c'était cool, quoi. C'était cool. Et puis j'espère que les projets vont continuer, quoi. Ouais. Je le souhaite à tous. Yes, ouais, bien sûr. On souhaite que ça, Alex. On va brûler tout ça. Au niveau du chat, ça se passe comment, là? Ben, j'ai insulté pas mal de gens, déjà. Non, ça va, tranquille. Il y a des haha, il y a des ouais. J'ai juste un sucré illustré. J'ai dit que couleur 3 c'était la mafia vaudoise et c'est tout. Ouais, t'as globalement raison. Ouais, ouais, voilà. Mais pour être très premier degré et pour réagir à cette phrase qui était une vanne, mais en fait, c'est un peu un problème, je pense, pour de vrai. C'est qu'il y a un truc où c'est dur. Dès que tu veux centraliser tout le monde, ben c'est comme Paris en France, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il est insupportable. T'entends, Alex? C'est tellement chiant de parler avec Blaise parce qu'il est trop à gauche. On peut rien. Non, mais après, on a des conversations entre nous. Il refuse de dire quelque chose de sexiste, il refuse de dire quelque chose de raciste. Faut toujours relativiser. C'est insupportable. Non, mais dans le sens où on peut plus rien dire! Tu vois, Laura Chenia, qui est jurassienne, ben en fait, elle habite à Lausanne depuis qu'elle fait la matinale, puis elle est de plus en plus lausannoise, puis dans 5 ans, les gens diront, ouais, c'est Lausanne, quoi. On peut rien faire! Mais si vous n'êtes pas de Lausanne et que vous voulez faire de l'humour, allez-y, parce qu'on a besoin de pas lausannois. Non? Bah, c'est pour ça que moi, je me revendique pas lausannois. Ouais, merci. Voilà, c'était l'appel est lancé. Ouais. Alex, on te remercie d'avoir passé du temps avec nous. Et puis, bah, y a pas de problème, et si j'ai quelque chose à dire, je te rappelle. Vas-y, tu sais quoi, la ligne elle est ouverte quand tu veux, frérot. Mode avion, mode avion. Allez, bisous. Ciao. Salut, Alex. Il va pas rappeler. Il ne rappellera jamais. Je peux enfin sortir. Clairement pas rappeler. Oh, le salut encore. Et
qu'est-ce que je voulais vous dire? Well, ça fait quoi maintenant? Plus de 5-6 ans, vous faites pas mal de scènes ensemble. On disait justement qu'il y avait un petit peu ce cocon qui se créait. Au départ, avant d'avoir des super méga plans, spectacles qui tournent et tout le travail là, on en a passé des galères, des plans un peu chelous. Ouais, ouais. J'en ai en souvenir un où il y avait Alex et Charles. Désolé. Ah, bah vas-y. C'était magnifique. On a fait une privée. Charles, Alex, moi, au Kiwanis Club de Puy. Tu sais, c'est un peu ces clubs de gens. Oh c'était mythique. Putain, j'ai joué dans le bateau de Kiwanis. Ah bah voilà. L'année d'après, j'ai dû remplacer Marina. Bah. Déjà commencé. Non mais alors, donc on faisait une privée. C'était vraiment une soirée où un peu des, je sais pas, c'est un peu des gens qui sont dans un club de gens riches. Puis oui, qui, c'est ça. C'est des gens attends, riches. J'ai un souvenir. Tu sais non, quoi c'est je me rappelle juste que c'était horrible pour l'un d'entre nous. Pour moi. C'était toi. Oui. Et en fait, donc, on a passé l'après-midi avec Charles et Alex en faisant, ok, c'est un public plutôt âgé. Il faudrait adapter ce que vous avez, Charles et Alex, que le public soit pas trop choqué. Donc on a passé l'après-midi un peu à réfléchir à comment tourner leur machin. Ils ont cartonné. Et moi, et après vous êtes partis parce que vous vouliez rentrer à Genève. Et moi j'ai fait mon petit passage tout seul. Tu faisais quoi? Je me suis pris un four de 15 minutes. C'était l'enfer. Mais c'était quoi le passage? J'ai fait une blague nulle à chier de 30 secondes et ensuite j'ai fait ma liste de remerciements pendant 15 minutes. Ah ok. Personne n'était prêt pour ce truc. J'ai dû dire que c'était fini. C'était pas clair. Tellement les gens comprenaient pas ce que je foutais. Mais c'était chaud. C'était un truc où on jouait deux jours. Oui, oui. Et oui, c'était oui. Très lumineux. Moi plus, parce que j'étais à la fin de soirée. Mais oui. Et à la fin, on recevait, tu sais, les vieilles émissions de télé françaises où les candidats reçoivent un chèque en carton. Ouais, voilà. On recevait ce truc. Chèque. 1000 francs. Et vraiment, genre, je me suis pris un bide monumental. Je reçois 1000 francs. Et le seul rire de la soirée que j'ai eu, c'est quand j'ai dit la meilleure vanne, c'est que je reçoive 1000 francs pour ce que vous venez de voir. Et c'est la seule fois où ils ont rigolé. Oh, c'était putain. Un enfer. Voilà. Comme quoi, oui, alors ça répond à. Ça va dans ce que tu allais dire. Ouais, on a des galères au début, quoi. Ouais, mais c'est juste en fait pour aussi démystifier le truc pour certaines personnes qui regardent aujourd'hui, bah, qui avait un truc qui tourne bien, qui disent c'est facile. Et encore aujourd'hui, il y a des galères, bien entendu. Tout, mais à part ça, je pense que c'est. Et c'est pas du tout pour nous jeter des fleurs, mais c'est juste parce que c'est la réalité du truc. Il y a, quels que soient vos humoristes préférés chez vous, même les plus grosses restas que tu imagines aujourd'hui, ça n'existe pas en fait, les humoristes qui n'ont pas pris de four et qui n'ont pas eu des. Pas pendant, c'est le passage, ouais. Ouais, c'est le passage obligatoire. Alors oui, il y a des. Je me rappelle quand tourner pour le. Tu vois le film d'animation Secret Life of Pets, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était assez marrant. Les deux plus grosses voix, les deux voix principales dedans, c'était dans le 1, c'était Kevin Hart et Louis C.K. Mm-hmm. Ouais. Et ils étaient en tournée internationale pour promouvoir le film, et je crois que c'est devant la télé norvégienne, un truc comme ça. La nana leur demande justement, genre, alors, c'est comment, des fois, vous avez des bides et tout. Et Kevin Hart et Louis C.K. lui expliquent, genre, non, en fait, on est trop connus pour bider. Ok. Ils disent, ça n'existe... Enfin, on joue dans des stades. Tu vois, quand on arrive, tout le monde... Même dans le processus de création à eux, tu penses pas qu'il y a du bide? Bah, ça dépend où est-ce qu'ils décident d'aller. Mais même, je sais qu'il y a beaucoup de ces mecs qui, aujourd'hui, doivent faire attention parce qu'ils se rendent compte que maintenant, ils bougent la tête et les gens sont morts. Ah, donc ils peuvent ils travaillent donc, plus bien, ils en fait. Ouais, mais ça, ouais. Mais ça, parce que moi, j'ai l'impression... Mais t'as aussi ça, moi, je pense. Moi, j'ai eu ça. Maintenant, en fait... Moi, j'ai jamais... Quand tu joues quelque part, t'as quand même une grosse proportion de gens à qui à ta cause, de base, oui, qui mais, viennent te mais voir parce qu'ils savent... Oui, mais c'est double tranchant. Parce qu'il faut vraiment être marrant, parce que les gens sont acquis à ta cause, mais dès le moment où tu les fais pas marrer, tu peux les décevoir dans les deux premières minutes, ils vont plus être tant acquis à ta cause que ça. Tu ouais, mais il y a des mecs quand même, quand tu les vois, quoi. Il y a des. Moi j'ai vu Gad Elmaleh en soirée vraiment arriver sur scène. Oui. Et c'est, non pas qu'il n'était pas particulièrement marrant quand il est arrivé, mais c'est juste que tu sens vraiment toute la salle qui est tellement contente mais de oui, voir Gad Elmaleh ouais. Et qui est tellement contente de voir quelqu'un dont, enfin c'est quelqu'un dont les gens savent que cette personne les a déjà fait rire. Ouais, ouais. Ouais. Tu ouais, vois, okay. donc ils sont dans l'attente. De... ça, on, ouais, okay. On a hâte que qu'il ouais. Donc je sais pas. Mais après pour moi il y a deux dimensions. Il y a le bide et de est-ce que tu fais marrer ou pas, ou est-ce que ça se passe bien, ou est-ce que des galères par rapport à ça, et l'endroit où on te fout. Parce que tu peux être super drôle ou pas, peu importe. Oui, mais il y a des circonstances où c'est particulièrement dur d'être là. Ouais, voilà, On m'a proposé de jouer sur une barque dans un lac souterrain. Ah oui, je vois ce que c'est. Dans une barque? Dans une barque, mais dans ça, un lac souterrain. Ça, c'est chou, non? Mais ça, mais j'ai pas fait, mais ouais. Quand tu parles d'endroit, ouais. Je me dis ça peut être marrant. Mais où? À Saint-Léonard, dans le Valais. C'était une HES qui voulait faire un spectacle. Ça s'est jamais fait, malheureusement. Mais on était surtout sur des barques, dans un lac souterrain, puis il y avait la...
les barques comme ça, ça va dû être un mec qui fait des blagues. Ouais, ils font des petits concerts aussi. C'est, ouais. C'est, ouais. Ouf. C'est cool. Peut-être que maintenant ça marcherait au niveau social distancing. Ouais. Mmh. Ah, chacun a une barque. Oui, c'est ça. C'est là qu'on découvre que le virus ne se transmet pas dans les grottes. Et, et puis pouf, wow. On retourne à vivre dans... La prochaine séquence que je vais vous montrer, ça m'étonne que t'es surpris, Blaise, quand je demande des endroits insolites. T'as déjà joué dans les endroits insolites, toi ? Oui. Mais Dieu sait ce que t'as retrouvé. Je sais, on va voir ça tout de suite. Est-ce qu'on est prêt à la régie ? On est bon ? On va découvrir ça tout de suite. Avec Blaise Verbillard. Yes, merci à vous. Allez, on tient les applaudissements, les gars, allez. Il y a toute l'ambiance entre la scène et la fenêtre juste là. Il y a les mecs qui s'ambiancent. Il y avait une teuf au-dessus. Clairement pas fait exprès. Non, je pense que clairement pas fait exprès. Ah, mais ça c'était de la folie aussi. Il a expliqué qu'il a fait exprès. Et on salue Edem là-bas qui nous a envoyé cette vidéo. Merci Edem. 1260. Mais ça, tu vois, tout le monde débutait. Ouais, que ce soit les humoristes ou la production qui trouve ce plan. C'est vrai que c'était un des premiers plans de... Parce que Seb, en fait... Sébastien Cortez. Ouais, Joker's Comedy, ça c'est... Mais ça c'est pas encore Joker, c'est Seb Cortez. C'est Seb, ouais. Et moi en fait, Seb s'est lancé dans la prod avec moi. J'ai été son premier artiste. Et du coup, il avait ses premiers plans aussi. Et là, c'était un mec... Qui tient une boîte à neuf, ça s'appelle La Boîte. Mais t'étais venu jouer avec nous d'ailleurs à ce moment-là, à La Boîte. Oui, c'est je me rappelle. La fois où Thomas, avec sa vidéo de l'UDC, s'était fait strike. Et puis c'est là ouais, exactement. Et ben ce mec-là, il avait lancé un concept qui a duré une seule soirée avec nous, où il y avait une espèce de love boat. Quel enfer. Sur le lac de Neuchâtel, donc la teuf sur le pont. Et en dessous, il s'est dit, bah, tu sais quoi, pendant que les gens ils font la teuf au-dessus, on va mettre un comedy club pendant qu'il y a la teuf par-dessus. Du coup, on était quatre humoristes. Dans le futur. Et on faisait des blagues. Puis pendant qu'on faisait des blagues, on faisait... Non, mais c'est... Mais t'es à un stade de ta carrière où tu peux pas ni avoir le réflexe de dire, mais ça pue, non ? Ouais. Ni le statut de dire pour non. Pouvoir légitimer vers moi, je joue pas dans ces conditions. Ouais, c'est ça. Donc on a pris. Bah, tu te sens obligé, ouais. C'était inédit, ça. Après, ça forge. Heureusement, on a les genres de trucs. Tu es obligé de dire oui. Mais c'est vrai que quand tu regardes les images, c'est juste. C'est hilarant parce que tu. Enfin, moi, je me revois là-dedans parce que tu es là, tu te concentres sur ton truc, tu dis ok, il faut pas que je les loupe. Ouais. Et là, tu regardes le plan et tu as vraiment quatre paires de jambes. Ah, mais moi, tu parles de ça, mais quand tu faisais tes soirées à l'éphémère, moi, j'avais peur de venir. Ah, c'était dingue ça aussi. Tes soirées, faut pas déconner à l'éphémère, j'avais peur de venir, mon gars. Mais je me rappelle parce que tu commençais à percer sur Facebook. C'était le début, ouais. Et quand je posais des questions, je disais, ouais, mais Yoann, ce mec-là et tout, il me fait rire, nanana. Pourquoi ils jouent pas ? Enfin, pourquoi ils montent pas sur scène ? Et je me rappelle, je t'avais envoyé un message en mode, viens jouer là-bas et tout, c'était chaud. Puis tu m'as dit, non, je suis pas encore. Je reviens pas sur scène. Puis t'avais fait un petit break. Ouais, avant on l'a déjà dit, il habite à Vevey, putain. Bah ouais, déjà. Ah ouais, déjà. Avant les vidéos, je faisais de la scène. Il y a une soirée en particulier qui a fait que la scène, j'avais plus envie. Et après, j'ai refait les vidéos et je suis remonté ensuite sur scène que après. Mais là, ces trucs à l'éphémère, putain, moi j'avais peur. Ah, c'était dingue, ouais. Oh, ouais, c'était chaud. Parce que les gens parlaient, les gens s'en foutaient, les gens t'insultaient. Enfin, c'était l'enfer. Je pense que c'est plus que. Enfin, c'est marrant de se remémorer ces trucs-là. Et encore une fois, c'est aussi marrant de parler de ça comme, putain, vous vous rappelez à l'époque quand on avait des plans pourris, comme si ça nous arrivait pas d'en avoir encore maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'au-delà du fait que ça soit drôle, je pense que c'est même important. Mais il faut que tu aies eu des trucs comme ça parce que ça forge une humilité, ça forge une méthodologie aussi. C'est, une approche. Je pense que c'est bien. Et puis qu'il y a des gens, je suis presque un peu déçu pour eux, qui ont des éclosions hyper rapides. Ils savent pas. C'est vrai qu'on a déjà eu cette conversation ensemble, toi et moi. Je pense que c'est une certaine catégorie de skills que tu n'acquiers que dans certaines conditions, par exemple jouer devant peu de gens, jouer dans des plans pourris, et ça fait partie du bagage qu'il faut acquérir. Ouais, puis c'est vrai que l'éphémère, c'était pour moi ce qui se rapprocherait peut-être le plus d'un plan chicha en France, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que c'était une soirée plein air, l'éphémère. Moi, j'ai fait des chichas en France et j'ai fait l'éphémère. Ah ouais, c'est pire encore. Comment ça, c'est pire chicha, encore, c'est pire quoi, encore. L'éphémère, c'était même avec l'éphémère, c'est Vegas. Ah ok. Ah ouais. Il faut pas se faire quoi. L'éphémère, c'est faire le vélo avec les petits trous. La chicha, c'est t'arrives au X Games et. Avec un skate démonté, je sais pas, mais c'est un peu chaud. C'est enfin, quoi ça peut.
Les chichas, c'est des, chichas. C'est des endroits. Je pense qu'il y en a partout en France. Avec humour, mais... avec une faune assez pas propice. Alors, je trouve ça intéressant que tu aies utilisé le mot faune. Ouais, mais c'est des gens, quoi. Mais oui. Mais ouais, c'est assez hostile. Et c'est assez... Alexandre Cominec aime beaucoup les chichas. Mais par exemple, Paul Mirabel, monte, en parce qu'il monte et il fait. Un fils de pute. Ouais, voilà. Ça, le fils de pute. Désolé, j'ai pas fait mes vaccins. Il insulte les gens. Et ça marche. Mais par exemple, Paul Mirabel. En chicha, apparemment, il cartonne. Ouais. Et en chicha, t'es mieux payé aussi. Ok. Ouais. Mais c'est. Mais des fois, tu vois des gars qui emmènent des mecs parce qu'il faut amener des gars et c'est leur mandat. C'est genre, c'est des humoristes qui placent d'autres humoristes dessus. Et tu vois qu'il y en a qui. Il aime, c'est genre, envoyer quelqu'un au Lyon, quoi. Au casse-pipe. Ouais. Mais t'es sûr que tu. Ouais, ouais, t'inquiète. Allez, bonsoir. Attends, gars, fils de pute. Si un jour on. Si un jour on me propose un plan chicha, je décline. Moi, c'est sûr en chicha. Non, faut le faire une fois. Faut le faire une fois. Je suis sûr que Blaise en chicha, il baisse tout. Moi, je pense que ça la peut. La hotline du cul en chicha, mon gars. Non. Je suis sûr. Mais je te promets. Non, mais à part ça, Alex, ça peut. Alex, regarde ça... en live, il est en train d'envoyer au moins des messages à je sais pas 14 personnes de chicha. Mais non, mais... en mode j'ai un gars, Blaise, il arrive. Chicha, les gars. Ça, je pense que. Je sais pas ce que t'en penses, Alex, mais je pense que Blaise en chicha, ça peut vraiment aller. C'est. Les deux côtés de la médaille, quoi. Ça, ouais, c'est ça. Ça déjà ça peut... plus, alors, ouais. ouais, mais ça peut... Une fois 1000, mais si tu fais double, putain. Mais t'es une rockstar, tu vas dans le 9-1, oh, t'as du cul. T'es sûr, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Alex qui nous dit, la chicha, c'est comme Gladiator. Ouais, c'est t'arrives dans l'arène et chacun pour sa gueule, ça, et voilà. J'aimerais qu'on... non, on a découvert ce truc. Mais ouais, moi je me rappelle, putain, au début il y avait des plans quand même dingues qu'on avait. Une fois il y avait Terre Sainte, tu te rappelles toi? Oui, ça, on a fait genre, putain mec, ça attends, c'était le premier cachet de ouf. Ouais, ouais. C'est notre première privée. Il y a mon, en plus, je crois que c'est mon. Je commence à faire un peu des blagues et du coup il y a des gens de mon ancien club de foot, donc l'USTS, qui a eu la bonne idée de jouer en vert et violet. Ouais. Pour la petite, si vous avez déjà fait du foot en club, bah, il y a une équipe, il y a des connards qui jouent en vert et violet, c'était nous. Et ouais, et puis ils voulaient faire un spectacle, enfin voilà, le truc de... Une soirée de soutien. Ouais, une soirée de soutien, exactement. Et ils m'ont chauffé pour que j'essaie de choper d'autres gens, etc. Et je me rappelle qu'au rendez-vous, tu sais, genre j'avais parlé à d'autres gens pour savoir combien on doit demander, etc., etc. Et je crois qu'on était arrivé à la conclusion que j'en fallait... Je sais plus combien il fallait demander, mais genre... 5000 balles, je crois, un truc ouais, comme ouais. ça pour... Club de foot, pour les trois, tu vois. Pour les trois et tout. Et au moment où je suis devant le président du club en train de... Je sais pas pourquoi, tu sais, genre je suis tout nerveux et... Sûrement, il me fait « Alors, il faut me dire... » c'est un Turc, Ali Gokok, je crois, qui est encore président de l'USTS, qui me disait « Alors, c'est combien les émoluments ?» Et je lui dis... je sais pas, je me chauffe et je fais « 5600 !» Comme ça, tu sais, genre, je suis méga nerveux, tu sais, je vais genre « Putain, bon, j'allais dire oui et tout, machin, tu sais. » Et puis, il me regarde et il fait « Ah, je suis très content. » Parce que l'année dernière, Marie-Thérèse Porcher, c'était 15 000 balles. Et ben, j'étais « Putain, on aurait dû demander beaucoup plus. » Mais ouais, donc on a fait ça au centre sportif de... Non, pas au centre sportif, mais dans la salle communale de Founet. Founet, ouais. Voilà, la salle communale de Founet. Et ça s'est pas méga bien passé, ouais, je crois. Je crois que le thème, c'était l'Italie. Moi, je crois que ça allait bien parce que j'avais fait pas mal des trucs. Je sais pas, ça fait un sketch après. Fait des trucs t'as fait sur, les, ouais, voilà, exact, sur les gens du club et tout. Sur les gens du club privé. Ouais, mais là, déjà, lui, il fait son deal à 5600. Attends. Toi, t'étais en perruque. Moi, j'étais en. J'avais le maillot de foot de l'Italie. Bien sûr. Mais que j'ai emprunté un gars que je l'ai toujours pas toujours rendu. Pas rendu. Il est chez moi et je suis vraiment désolé. Alors, attends. Et déjà, le pire dans tout ça, c'est qu'il vous expliquait comment il a chopé les 5600 balles. Et le gars, quand t'as conclu le contrat, il y avait Alex et moi. Ouais. Ouais, Alex, toi et moi. Et direct, quand il commence à envoyer les messages, tout de suite, c'était plein d'humoristes. C'était un manager, le mec. Parce qu'il avait dit, bon, les gars, je pense qu'au vu du cachet, on va quand même se permettre d'acheter quand même des déguisements et l'accoutrement approprié pour cette soirée. Je me rappelle, tu nous as fait un bail comme ça. Et nous, on était là, what? Et je fais, ok. Mais ouais, je crois que moi, j'étais un peu en mode, genre, putain, c'est 5000 balles, les gars. Ouais. Genre, faut qu'on envoie du pâté, quoi. Et là, on a acheté des perruques et des maillots de l'Italie. Et parce que je crois qu'il y avait un truc où ouais, Nadim, on t'avait mis un maillot de l'équipe d'Italie et du coup une perruque chevelue. Non, c'était pire. Attends, je me rappelle la phase. Parce que justement, tu commençais à faire ce truc-là, après on commençait à discuter. Le thème, c'était Italie, ouais. Et club de foot. Donc, il fallait lier les deux. C'était le thème de la soirée. Ouais, ouais. Okay.
L'Italie, c'est Hello, c'est Materazzi. Et là, on commence à faire les trucs et tout, et puis on commence à partir. Tu sais, quand des fois tu prépares une scène ou une privée, puis que tu brainstormes à 2, 3, et dans ta tête, t'es sûr que ce truc-là, c'est genre. Ça va marcher. Ouais, ouais, c'est le golden, c'est tu vois. Ouais, ouais. Donc c'était Italie. Ouais, exactement. On va tout baiser. Et là, il y avait deux déguisements. Le premier, c'était le genre de foot. Donc j'avais la perruque, tu vois, cheveux longs et tout, avec le serre-tête. Le maillot moulant, donc je t'explique pas le truc, tu sais, le kappa, le rond demi. Le maillot kappa. Ah, purée, ouais, non. Et le deuxième déguisement, c'était pizzaiolo. Ah. Donc j'avais le truc. Mais il y en a pas qu'on a pas fait. Mais on l'a pas fait. Ah, on parce l'a pas fait. En fait, franchement, pour toi, la phase. En coulisses, genre, je fais quand même la pizza. Non. C'était en mode, on commence le truc vraiment, genre, le thème c'est Italie, c'est tous des footeux. Tu mets la perruque et là tu te chauffes et tu cours, tu vois, tu fais des allers-retours sur scène avec le ballon et tout, tu mets une attitude et tout, ça va cartonner. Moi je suis là gros, ok, on est là, tac tac, je commence à me chauffer, je commence à courir et là je tape un petit gauche comme ça et tu sais vraiment tu vois tout le public. Non, j'accéderai pas. Au moment de remonter, tu sais, j'ai vraiment le tablier de pizzaiolo dans la main, je regarde Charles, regarde. Non, je suis retourné, j'ai fait un sketch. Non, il y avait plein de trucs, mais il y en avait plein des What the Fuck. Mais il y avait quoi comme truc What the Fuck? Aguet. Tu te souviens d'Aguet, mec? Ça, truc dans le sud de la plan France. De taré, ouais. Ça, c'était quoi notre première année? Je crois première année stand-up. Ce voyage, pour moi, il est particulièrement spécial, mais je sais pas si je peux le dire. C'est il a quand même rencontré sa femme. C'est l'année du début, là, ouais. Ouais, c'est le. Non, mais blague à part, c'est vrai. Je suis. Mais je sais pas si on peut. Non, t'es mis en couple, on parle pas. Là. Mais oui, on est allé. On est allé dans le sud avec. Il y avait Alexandre Kominek et Marina et toi. Et je me rappelle que je suis le seul connard qui n'a pas conduit sur ce trajet. C'est vrai. Mais c'était un plan de potes des parents de Marina qui nous a invités pour faire des blagues dans leur jardin de ouf au bord de la mer dans le sud. Ah ouais, ok. Ah ouais. Où on a mangé et tout, et on a fait des blagues devant des bourgeois de 60 ans, qui étaient très sympas. Super sympas. Et puis après, on est rentrés au petit matin. Mais c'est où, Aguet ? À côté de Saint-Raphaël, au sud de la France. Donc dis-toi, on est à un an et demi. Vers Saint-Tropez. Et les gens de là-bas, ils se retrouvent avec une soirée humour suisse. Ouais. Non, mais c'est en mode. C'était des gens de Genève. Ah, ok. Et donc, du coup, ils nous invitent, on arrive là-bas. Ok, ok. C'était putain, on était. C'était dingue. Ça peut super bien se passer, tout comme mal. Mais et ça s'est hyper bien passé. Non, mais c'était genre juste cool. Le concept. On avait quoi, 23, 24 ans. Mais je me rappelle que de ce truc de. Tu sais, je me rappelle que l'enjeu était grand, c'est pourquoi ? Parce que c'est vraiment le truc où t'es là, genre, je dois faire 20 minutes. Ah ouais. Et dans ta tête, t'es en mode, est-ce que j'ai 20 minutes ouais. Et genre, putain, tu grattes partout dans les coins de ta tête pour genre tu sais, genre. Putain, je suis à 18. Et si t'étais à 18, c'était pas bien. Fallait que t'aies 20. Et ouais, c'était les débuts. Ouais, on avait tous fait 20, c'est juste pendant le dîner. Et c'était vraiment ce truc de genre, on sait tous qu'on n'a pas 20-20. Ouais. Et avec, comme tu disais, il y avait ce truc où genre, tu jouais, il y avait les 18 personnes sur la table, tu vois, qui mangeaient. Et à chaque fois, on était trois derrière. En mode, tu sais ce qui a vachement changé, je me rends compte, entre cette époque-là et maintenant, entre nous, je crois, au niveau dynamique, c'est que à cette époque-là, justement, j'ai un peu l'impression que genre, tu finissais. Tu sais, déjà, tu avais un peu des rires et des applauses de soutien des uns des autres et tout, et que tu finissais et qu'il y avait vraiment un truc de genre. Et tout le monde était genre, non, c'était bien, il y avait vraiment un truc comme ça. Et puis maintenant que. Enfin, fallait se pousser les uns les autres comme ça. Et puis maintenant, il y a plus un truc de genre. Quand tu vois un des autres monter, genre, je fais pas trop attention parce que je sais que ça va bien se passer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a un peu une. Tout le monde a gagné en expérience de ce point de vue-là. Il n'y a pas le même stress. Mais cette soirée, elle était très. Je disais ça, cette soirée, elle était très what the fuck parce que je sais pas si tu te souviens. Déjà, on partait avec ta voiture. Ah oui, c'est vrai. La Peugeot, et t'avais ton kit de, ah, donc de coach de foot donc, à l'intérieur. C'était ma voiture, mais ouais. Je n'ai pas conduit. Tu n'as pas conduit. Ouais. Ta voiture, il y avait encore des ballons ou des cônes. Pour ouais. T'entraînais une équipe. Ouais, il entraînait une équipe de foot, donc on est tous recroquevillés dans ce machin. Ça, il est toujours prêt pour faire des skippings. Et on arrive à Aguet, et dis-toi le truc. On arrive là-bas, et on cherche. Ah, il y a Alex qui dit Rick Ross dans la piscine. Ça va arriver. Mais on arrive là-bas, on cherche l'endroit, on trouve pas. Et là, le mec, il nous dit non, mais en fait, c'est le phare d'Aguet. On fait OK. Le mec s'appelle Aguet. Et ouais, et exactement. Un phare. Et en fait, il avait le phare d'Aguet dans sa propriété, tu vois. Ah, genre, c'est chez lui. C'est la première fois de notre vie où le truc du phare à ondes, et genre, c'était vraiment. C'était as, tu vois. Je me rappelle qu'il avait je me rappelle que dans son jardin, le mec, il avait une statue de Corto Maltese. Oui. Ouais.
Mais, c'est, ouais, mais cette maison était dingue. C'est, et en fait, ils avaient tous une tranche d'âge, genre, je sais pas, c'était minimum 50 ans. Ouais, c'était 50 ans. On avait 22-23. Personnalisme. Ouais, personnalisme. et tu sais, au début, t'arrives vraiment comme le timide, tu vois. Je me rappelle, Alex, il est à ma gauche et toi, on arrive. Et on regarde l'ambiance, mais de ouf. T'es au bord des rochers, bord de mer et tout. Et d'un coup, nous, le réflexe, on se met un peu recroquevillé sur le côté, on dérange pas trop et tout. Il y a un mec qui débarque avec une chemise hawaïenne, avec des baffes, mais genre 600 watts, machin et tout. Ouais. Il pose devant la piscine, et il a un cigare dans la poche, il le sort, il appuie play, il y a Rick Ross. Avec ses mains, on sort tout. Trois secondes plus tard, on est les gars, vraiment, bon, c'était tellement bon. Mais ouais, je me rappelle qu'on était tout gênés et puis qu'au bout de. C'était un peu une ambiance genre, mais il y a une piscine quand même. On peut aller. Et puis je crois qu'on s'est baigné dans la piscine et dans la mer. Si ouais, je dis pas de, la mer aussi. Ouais. Genre en fait, on faisait notre sketch devant une tablée au bord de mer. Ouais, quoi. C'était ouf. C'est le plus proche de genre American Idol quand ils font les Judges House, je sais pas si ça te parle. C'est vrai que c'était vraiment ambiance, feeling, un peu ambiance Bachelor la ouais, femme. Exactement. Ouais, exactement. C'était un peu comme ça. Et du coup, ouais, dans le coffre, t'avais l'équipement de foot parce que t'étais coach de foot. Mais je crois qu'à ce moment-là, je l'étais déjà plus, mais j'avais encore les trucs dans le coffre. Les gars qui ne veulent pas lâcher. Tous ceux qui ont déjà été chez moi voient à peu près, peuvent plus ou moins spéculer combien de mois ça me prend pour me débarrasser d'affaires dont je n'ai plus besoin. Il ne faut jamais prêter un truc à Charles parce que ça a toujours traîné chez lui, c'est ça. Le maillot de l'Italie. Il ne nous reste pas énormément de temps sur ce live, les amis. Mais justement, on parlait foot et moi, j'aimerais aussi faire une petite parenthèse foot parce que mine de rien, entre vous trois plus Alex, le foot c'est quand même quelque chose qui est ah bah à nous trois on a joué en Super League hein. Ouais c'est vrai. Ouais. Si on cumule toutes les ligues Charles et de Johan c'est bon. Ouais. Et j'aimerais qu'on découvre une petite vidéo où on retrouve les trois, la 8 Olivia, footballeur face à la presse. Je sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Bien, cette vidéo. Et c'est un petit souvenir de Caracatac, je sais pas. Si vous vous rappelez, mais en tout cas, ça me faisait plaisir de le partager avec le public. Et c'est parti. Un match facile pour l'équipe d'Allemagne ce soir. Oui, un match plutôt facile. C'est sûr, moi je suis au goal et on joue contre l'Irlande du Nord. Alors, oui, j'ai eu le temps de compter. Il y a 3431 personnes chauffes dans le stadion. Oui, avec Dario Gonçalves, Dario, c'est vraiment l'attaque qui a fait la différence. C'était un match facile pour l'équipe d'Allemagne ce soir. Beaucoup de longs ballons depuis derrière la défense. Beaucoup de longs. C'est le discours de l'entraîneur qui vous a remotivé à la mi-temps. Le discours de coach, il a beaucoup de motivation. Votre grand-mère a trois cochons. Ma grand-mère a trois cochons. Alors, content? Ouais, plutôt, c'est une bonne première mi-temps. Les joueurs sont assez fair play. J'ai sorti qu'un seul carton. Dans le public, j'ai compté 7 fils de pute, 5 enculés et seulement 3 ou 4 va t'acheter des lunettes. Un qui pue, un qui pète, un qui sent la ciboulette. Un qui pue, un qui pète, sans la ciboulette. Sans la ciboulette. Quel match, quelle victoire, Kevin, vos impressions à chaud? Ben, on est super contents. C'est une victoire. Et le coup de tête. Le coach fait des très bons choix. Oh, c'est super normal ça. Je crois qu'il y a. Attends. Je crois qu'il y a un moment dans ce sketch aussi où je crois que je te dis genre oui bon ou je sais pas si c'est moi ou Marina qui te fait genre bon bah, ça va avec vos réponses bateau et tu fais quoi bateau? Quoi réponse bateau? Oui. Hein, vous voulez des réponses bateau? Capitaine. Tu commences à faire des temps de marre. Ouais, capitaine. La mouette, ouais. Le bouvre. Ah ouais, c'était un bon souvenir ça. Ça c'est mais c'est une des vidéos qui a un peu buzzé sur Carac hein, je sais pas si moi dans ma tête, il y en a eu aucune qui a buzzé, mais il y avait il y en a quelques-unes qui étaient bien marrantes. Non, il y a quelques-unes qui avaient buzzé, il y avait les non-dits qui a fait des premières ouais, quand j'ai fait mes recherches, il y avait le faux journal avait bien pris au début. Le faux journal aussi ouais au début ouais. C'était les premières vidéos qui avaient le après le air skate pour moi c'est ça reste quand même. Ah ouais, le air skate à la plaine de Plainpalais, c'est mythique celle-là. C'est le chef-d'œuvre de cette chaîne YouTube, je pense. Mais c'est drôle parce que l'équipe de Real de ce sketch-là, messieurs.ch, c'était vraiment
je sais pas, une cave à Bussigny, leur truc, quoi. Oui, c'est juste. Et maintenant, c'est une boîte. Tu peux pas te payer un spot vidéo de messieurs.ch. Ouais, ouais. Donc, c'est fou de voir qu'eux aussi, ça l'est. C'est grâce à nous, en fait. Oui, c'est grâce à nous s'ils se font 1 500 000 sur chaque mandat. Voilà. Vous, je sais, vous êtes des très bons footeurs. Toi, tu t'as joué au foot, toi? Non. Parce que t'es dans, littéralement, toutes les vidéos foot. Mais parce que c'est un... C'est un passionné de foot. T'es un passionné, voilà. Mais tu... J'ai joué au parc, mais j'ai pas joué en club, quoi. Ok. Et du coup, vous avez formé un duo avec Charles Nouveau aussi sur pas mal de sketchs foot. On a fait Footaise. Vous avez fait Footaise. Sur Footer 3. Vous avez fait... À l'initiative de Fantin Moreno. Ok. Mais c'est Fantin Footaise. Ouais. Et il y avait aussi... on a fait un sketch avec les commentateurs. J'ai pas les vidéos là, mais celle des commentateurs Suisse-France. Ouais, ça, c'est ça pour, c'était... Pour moi, c'est un des meilleurs de Carac. Bah, il y avait un peu tous les ingrédients pour que ça prenne, quoi. Ouais. Mais ça, il était rigolo, ouais. Et n'hésitez pas, donc sur Carac Attack, il y a encore la page YouTube. Il y a encore des trucs. Il y a plein de super souvenirs, vous pouvez les retrouver tous. Alex Kominek, Blaise Berzinger, Charles Nouveau, Yoann Provenzano, Thomas Wiesel aussi. Marina Rollman. Après, Randy Ginn, Sacha Porcher. Ouais, il y a eu plein. Et après, tout a évolué. Et c'est là que Yoann a viré Blaise du groupe. Non, mais il fallait virer un gros salaire, quoi. Thomas qui me disait, les mecs. Il m'avait lâché l'anecdote, il disait les mecs, ils m'ont déplacé toute une demi-journée. Pour jouer un abat-jour. Pour jouer. Une lampe. Non, un cheval. Un cheval. Ah, oui, ça, c'est dans le sketch, c'est dans le sketch où je suis. Ah oui, oui. Et c'était encore une fois guest. Ouais. Moi, j'ai été guest deux fois. Une fois, vous êtes venu chez moi. Ou c'était pour ceci? Non, c'est pour la même chose. Ouais. Alors, pour que les gens comprennent. Moi, j'ai rencontré Alex gros, ce jour-là. Hein. C'est vrai qu'on mettait pas beaucoup Thomas dans des sketchs parce que lui-même, de son propre aveu, il disait qu'il jouait, il jouait extrêmement mal. Et je pense qu'il était effectivement pas ouf dans les trucs, mais en grande partie parce que lui-même partait du principe qu'il serait pas bon. Pour la petite histoire, aujourd'hui, Thomas n'est pas là avec nous maintenant parce que de nous tous, c'est lui qui est en train de jouer dans un film d'Ursula Meyer. Qui est en train d'être tourné en c'est vrai ouais, c'est, je savais pas ça. Il est acteur là. Eh ben. Voilà. Donc n'hésitez pas à découvrir. Alors que nous, on le mettait dans aucun sketch. Parce qu'il joue mal. On arrive, les amis, à plus d'une heure vingt d'émission. Ah ouais. Le temps file. Mec, je commence à me faire chier. J'espère que vous vous amusez tous autant que vous êtes. On est à combien sur la page. Est-ce qu'on a perdu refresh. De l'argent Je vais refresh. Est-ce qu'on a 8000 Mens, au pire, tu mens. On va refresh, attention, on est à la même somme. Oh. On est à la même somme. 9000 Merci à vous toutes et tous. C'est grâce à vous, vous êtes la meilleure caustique communauté. Il reste encore quelques minutes, donc si vous voulez atteindre cette... Là, il reste 30, 38 francs là. 38 francs et on est à 8000. Mais 38 francs, mais moyen. Que fait Jonas Schneider? Bah oui, où est-il? Alors, 38 francs, c'est quoi? Tout mais seul, pas, tu rien. Les as, ces 38 balles. Et si je compte les 20 balles de Charles, il nous reste 18. Allez, 18 balles. Donc, ouais, voilà. Compte-les pas trop. Quand même. Merci, Kominek. Merci Nadim. Mais c'était un plaisir. On n'a pas encore fini. On a quelques minutes quand même. Non, on a quelques minutes. Alors je retire mes remerciements. Mais je faisais un petit teaser pour qu'on puisse quand même atteindre cette somme des 8000 francs. Ce serait con qu'on se barre de là. Bah ouais, parce que l'essence, on n'oublie pas que tu as dû prendre un véhicule pour arriver ici. Les actus, les gars, ça se passe comment pendant cette période-là? Ah bah ça parle beaucoup de pandémie. Pas mal, hein. De mon côté, parce qu'on a. Il y a un flash info tous les soirs. Ah, ok. Ton actualité en termes de spectacle. Bah Yoann, qu'est-ce que tu fais ces temps? Moi, ces temps, je fais de la télé et de la radio. Et toi, Blaise, qu'est-ce que tu fais ces temps? Ça, moi, les humoristes qui font pas de scène, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment, c'est l'instant promo. Ouais. Ah, ok. Bah alors moi, avec Donna Sienaman, on sort aujourd'hui, hier, maintenant, un podcast. On a lancé un podcast qui s'appelle Le Partageux et on a sorti l'épisode 2 il y a quelques jours. Donc Le Partageux est sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, France Podcast, Japon Podcast, Podcast Land, Jacques Podcast, Jackie et Podcast, Podcast Porn, Nice Cock Podcast, Podcast Tub, Harry Podcast. La maison du podcast. La maison du podcast. L'atelier podcast. Podcast Ville, l'atelier est-ce que, du est-ce podcast. Que, est-ce que vous avez la podcast Podcast Finance. Podcast Les Opticiens. Podcast Les Opticiens. Podcast Daflelou. Podcast Pro Skater 4. Podcast Dapi. Ouais. Voilà. J'en ai sûrement oublié. Je pense, sûrement. Podcast, ils ont tous le même titre. Partageux. C'est le game. C'est le game. Partageux. C'est le game. Le partageux, ouais. Voilà. Et ça parle de quoi, en gros? En fait, on a inventé un jeu de société où le but du jeu, c'est de rencontrer les gens avec qui tu joues.
Très bien, ok. C'est ça le concept. On se réjouit, donc on peut le retrouver sur toutes les plateformes. Oui. Si vous voulez voir les vidéos de Blaise Berzinger, vous pouvez le retrouver sur YouTube. J'aimerais sur tellement la chaîne. Vous, vous êtes dans le YouTube game un peu, non, toi? Non, non, ah, ok. Non. Bah, si, bon, alors, moi, j'essaye. Donc, n'hésitez pas à faire grimper les vues de Blaise Berzinger. Oui. Et si vous avez bien suivi l'émission et que vous cherchez d'autres types de contenus un peu plus anciens, n'hésitez pas à changer de Blaise. Vous tapez Blazu à la place et voilà. Vous allez trouver des merdes. Blazu à la place. Merci, Blaise, encore une fois d'avoir été parmi nous. Merci à toi. Vraiment un plaisir. Et Johan, du coup, tu nous as dit moi, couleur j'ai 3. Couleur 3, les de manière un peu aléatoire, la semaine dans les bras cassés de 17h à 19h. Et autrement, tous les vendredis matin de 9h à midi avec Jiggy Jones dans une émission qui s'appelle Déconnecté. Autrement, je suis toutes les deux semaines à 20h10 sur RTS1 pour faire 35% de part de marché avec cash. Et c'est ouf quand même. Oui. Ça c'est fou, c'est pour ça que je le dis. Et autrement, vous pouvez me retrouver sur Instagram @mydudeness, sur Facebook, vous avez des vieilles vidéos à moi. Et puis sur TikTok aussi, j'ai passé la barre des 25 000 jeudi. Moi ouais. Je me suis mis aussi, mais je comprends pas comment ça marche. Oh. Mais je vais l'aider. Que dalle. Non, mais ça va remplacer Instagram dans 5 ans, t'inquiète pas. Ouais, bah justement, c'est pour ça que c'est vrai. Pour ça que c'est vraiment le mec des plateformes, quoi. Ah, mais oui, moi j'ai un peu cette chance-là. Ah, c'est là-bas. J'ai cette chance-là, j'ai de la. T'as le feeling avec cette chance-là. J'ai de la facilité à m'approprier les codes et puis à comprendre. Moi j'ai une note dans mon téléphone depuis il y a 2 jours qui s'appelle ID TikTok, donc c'est parti. Là, il est sur une pente ascendante. On est lancé là. Merci beaucoup, Johan, encore une fois, d'avoir été parmi nous. Charles. Bah, moi, Charles. Je viens de signer à Sassuolo. Des deux Seriennes, ouais. Ils sont montés, non, ils sont en Liga. Ils sont en Serie A. J'avais envie de dire Sassuolo. Mais non, bah ouais, on peut pas faire des spectacles sur scène. Donc, radio, couleur 3. Moi, je fais un personnage dans la matinale que beaucoup de gens détestent. Non, j'adore. et que Blaise aime bien. Oui, moi j'aime beaucoup. Où je joue un français. Salut les yaourts. Eh ben alors, comment ça? Eh ben dis donc, c'est propre hein, chez vous. Salut. Et je fais. Et puis j'ai lancé un podcast aussi. C'est super aussi. Qui s'appelle Irremplaçable. Où le principe c'est que les personnes que j'invite ne viennent jamais. Et du coup, je me retrouve à trouver des remplaçants qui ne savent pas qui ils viennent remplacer. Il faut pas qu'il marche trop bien ton podcast. Et à qui je donne pourquoi. S'ils marchent trop bien, ils vont venir. Après, s'ils marchent trop bien. Non, mais moi, je suis pour que ces mecs, les gens qui étaient prévus à la base viennent. Mais ils remplaceront quelqu'un d'autre. Ils viendront remplacer quelqu'un. Ouais. Ah, ok. Ouais. D'ailleurs, les gens qui écoutent ton podcast, petit conseil, sautez le générique parce que sinon vous l'avez en tête pendant 3 semaines. Ouais, il est très. Ouais, ouais. C'est le meilleur podcast de France dans la catégorie jingle. Ouais, c'est clair. Donc n'hésitez pas pour Charles Nouveau, toutes les plateformes, c'est les mêmes que Blaise a cité. Hein. Ouais, sur toutes les applications de podcast et puis après les réseaux sociaux, bah, comme eux, quoi, Facebook, Instagram et puis Twint. Peut-être un jour... Retrouvez-moi sur Twint. Alors un jour, vous me retrouverez sur TikTok, mais à contre-cœur. Tu demandes de l'argent, voilà. Mais tu fais des petites vidéos pour demander de l'argent. Suivez-moi sur Twint, j'ai une grosse communauté Twint. De mal. Eh, j'ai quand même tapé les 250 francs avec mon dernier tweet. T'as envoyé un petit WhatsApp, moi, j'ai quoi. Ah putain. Genre, peut-être le moment où tu cliques le virement, il y a sa gueule, tu sais, de la première vidéo. Ouais. Et, ouais. Il sort. C'est marrant parce que je suis arrivé, j'ai dit ça parce que mon cerveau a bugué avec Twitter Twitch. et Twitch. Twitch ouais. Et ça a donné Twint. Mais c'est trop drôle. Retrouvez-moi sur Twint. Ah. Regardez, idée TikTok, oui. Twint. Les amis, nous arrivons gentiment à la fin de ce live. Et j'ai une annonce à vous faire. Oui, on se quitte dans 13 minutes, les gars, déjà. J'ai une annonce à vous faire. La cagnotte a atteint les 7 990 francs. Mais les gars 90 7 990 francs. Allez, on fait quoi? Franchement, on va y arriver. On part pas. Attends, vas-y, on lance un défi. Vas-y. Pour quelqu'un qui met, quelqu'un met 50 balles. Et en échange, on fait quelque chose. Ouais, ok, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ça va se passer 25 minutes plus tard. Mais Cominec, il modère un peu les chats, il va trouver un défi. On va checker. Qu'est-ce qu'il nous dit, Cominec, de son côté? Il aime bien modérer les chats. Allez, on se motive, manque 40 balles pour péter le plafond. Merci, les gars, force et honneur à vous. Ça, c'est le mec qui dit merci parce qu'il sent que c'est la fin du live et qu'il s'est barré. Pas du tout pour mettre l'argent. Il est encore en train de chatter. Ah ouais, on entend la vidéo. Cominec, il fait des pattes là. Non, il est en train de motiver. Non, il motive les gens là. Il motive les gens, on va y arriver gentiment. Bah, bon, qu'est-ce qu'on fait alors si on dépasse Ce qu'on fait, c'est que... On fait un spectacle les quatre. Non, moi, non, je pense non, que, non, trop chiant. Je pense que de toute façon, on va y arriver. Il n'y a pas de raison.
Mais bah, si on, alors attends, si on arrive à Somme, on se lance sur Twint. On l'avait entendu ici en premier. C'est complètement ouf ce qui est en train de se passer. Il y a une synergie entre les humoristes romans. Je crois qu'on va le faire. Je crois que le mot a été lancé et le mot a été pris. Je crois que la Twintosphère n'est pas prête. Ah, c'est pas prêt. Mais nous, on est là. Allez, BCV, UBS, Raiffeisen, PostFinance, on est là. Tous les Twint. Alors les Twintos. Les Twintos. On est en live sur Twint. Continue à donner de l'argent. Je fais une dernière tentative de refresh et on n'a toujours pas atteint. Mais oh, les 1000 francs. Non, mais il faut une carotte. Ouais, je doute pas qu'on va y arriver. Ouais, mais, de toute façon, parce que techniquement, les 20 balles de Charles, Non, moi, ce que je veux surtout, c'est que on finisse sur un truc un peu plus festif, mélodieux. Et on va s'en sortir, tout le monde. Bah oui, on va s'en sortir. On vit nos meilleures années malgré tout. Et toutes les bonnes choses ont une fin. Mais toutes les mauvaises choses aussi ont une fin. Le Caustic Comedy Club n'est pas en faillite. Et ça, c'est cool aussi. Soutenez. On fait de l'autosuggestion. Le Caustic Comedy Club. Et suivez-nous sur Twitter. Allez, on n'y arrive pas. Hein. Non, mais il faut les gars. Attends, il y a un truc qui a bougé. Quelqu'un a enlevé 10 balles! Quelqu'un a enlevé 10 balles! Je savais pas que c'était possible, mais je crois qu'il s'est sorti mal, il l'a remis juste après. Ah, bonne vanne. Ah oui, il l'a remis. Il l'a remis, ouais. On y est! On peut continuer le beat, vas-y, on se fait un petit beat bien cool, ouais, comme ouais, ça je peux faire les remerciements pour tout le monde, tous ceux qui ont été là, tous ceux qui nous ont soutenus pendant ces lives. Ok, je pose mon flow. Vas-y. Ok, mesdames et messieurs, c'était le throwback acoustique comedy club. Merci du fond du cœur de nous avoir suivis. Il y a une longue liste de remerciements, donc on va les faire galérer comme il faut. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour vous. Merci à Thibaut Adoston, Aude Bourrier, Bruno Péqui, Lord Betrave, Kevin Ayer, Adrien Laplana, Malik, Kaufman, et je n'ai plus, je suis en acapella, les artistes qui ont fait un passage ici au Caustic Comedy Club, Yann Marguet, Nathanaël Rocha, Farah, Chinsa Cataneo, Lola Ricaboni, Boris DG, Charlotte Filou, Bastien Blanchard, Steven Matthews, Olivia Chitrinka, Adrien Gigax, Julie Gilbert, Christina Antona Rakis, Sébastien Cortési, Alizé Oswald, Gaspard Bosch, Kian Cochoyer, Romain Jacques, Vanessa Criviaya, Judith Goudal, Odile Cantero, Warini Chen, Jérémy Croza, Julia Rousse, on peut envoyer un fort de bruit, Adrien Laplana, Jérémy Okofe, Nolwenn Veda, Merida, Eric Lecoutre, Johanna Salez, Meydine Souzic, Isabelle Mouche, Bastien Berger, Renaud de Vargas, Karim, Kitri Michel Johanna, Zags, Nina Gachelin, Charles Soigno, Kenza, Benjamin Delahaye, Anita Coutard, Régis, Kelly Mota, Muriel Dienne, Dardan Chavani, Antoine Molini, Ivan Larson, Laetitia Boumouka, Pink Moon, Lynn Molino, Léon Bosch, Kenza Tefahi, Yuri Ortelli et Rui Sergado. Les sponsors, Cédric Jeunard, AXA Assurance, Bubopcorn, Allegro, Geneva Discover, Beiteman, Barton, Georges Borig, Marc Gouzer, Pod, toutes les personnes qui ont participé au crowdfunding et qui ont fait monter la cagnotte, mesdames et messieurs, Virginie Nussbaum du Temps, Katia Berger de la Tribune de Genève, de Hamburger Foundation, de Catalpa, Jokers Comedy, Ibistal Carouge, la Laiterie de Carouge, Instant Cactus, Rouge FM, Énergie Léman, Color My Geneva, le Théâtre de Carouge, Court Circuit, le Spot du Rire, Geneva Age, Bilan et les Éco-Entrepreneurs, et Swiss Fun, et j'en oublie, et je suis désolé à ceux qu'on a oubliés, mais du fond du cœur, un grand merci de la part du Caustic Comedy Club, et encore un maximum de bruit pour les deux qui sont à la régie derrière, et qui mènent ça avec une main de maître, Emily et Olivia, c'était le throwback. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente soirée. Merci pour le soutien. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Je suis avec Dario Gonçalves. Dario, c'est vraiment l'attaque qui a fait la différence ce soir. Ce soir, c'est vraiment l'attaque qui a fait la différence. Beaucoup de longs ballons depuis derrière la défense. Beaucoup de longs ballons. C'est le discours de l'entraîneur qui vous a remotivé à la mi-temps. Le discours de coach, il a beaucoup de motivation. Votre grand-mère a trois cochons. Ma grand-mère a trois cochons. Alors, content ?
Ouais, plutôt, c'est une bonne première mi-temps. Les joueurs sont assez fair-play, j'ai sorti qu'un seul carton. Dans le public, j'ai compté 7 fils de pute, 5 enculés et seulement 3 ou 4 va t'acheter des lunettes. Un qui pue, un qui pète, un qui sent la ciboulette. Un qui pue, un qui pète. Pète. Sans la ciboulette. Sans la ciboulette. Quel match, quelle victoire, Kevin, vos impressions à chaud? Bah on est super contents, c'est une victoire d'équipe. On est mené assez rapidement. On revient très rapidement à la marque, un partout. On arrive à... Champion! Yes. 2-1, 3-1, on a réussi à garder le ballon. Le coach fait des très bons choix. Mais on a fait un bon match.